Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce conseil du 24 février 2021. Sont excusés ce soir Madame Thoron et Monsieur Bossogne. Excusez également notre directeur général qui est remplacé par sa collaboratrice Madame Jennifer Magnier, que je remercie d'ores et déjà et qui fera donc office aujourd'hui de directeur général. Quelques précisions également, nous accueillerons tout à l'heure Monsieur Alain Stevens du BEP pour le point concernant la muraufile de l'eau. Nous accueillerons également Madame Virginie Koopmans pour les points concernant le PCS. D'ores et déjà, merci à toutes et à tous. J'ai rassuré Madame Magnier en lui disant que nous allions prendre le temps nécessaire, c'est son premier conseil. Pour que ça se passe le mieux possible pour elle. Voilà, après toutes ces considérations, nous allons passer au premier point qui concerne la sollicitation d'un congé à l'occasion de la naissance d'un enfant. Conformément au prescrit du paragraphe 1er de l'article L1122-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui énonce qu'à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller communal peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l'adoption. Madame Muriel Minet, conseillère communale, chef de groupe GEM, par son courrier du 2 février 2021, sollicite de pouvoir bénéficier du congé dont question ci-avant. Au terme de l'article L1122-6, paragraphe 6, Madame Muriel Minet sera remplacée par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, soit Madame Caroline Wagemans, après vérification de ses pouvoirs par le Conseil communal. Permettez-moi, au nom du Conseil communal, de féliciter la maman, le papa, et d'envoyer un gros bisou à Maëlle et Tristan. Petite précision avant de passer au point numéro 2, c'est M. Jean-Pierre Sacré qui sera le représentant chef de groupe du groupe GEM pendant le congé de Mme Minet. Voilà, nous allons passer au point numéro 2, c'est la vérification des pouvoirs de Mme Caroline Wagemans. Corollaire au point précédent, le groupe GEM sollicite que soit pourvu au remplacement de Mme Muriel Minet, absente en raison d'un congé de maternité, et ce, conformément au prescrit de l'article L1122-6, paragraphe 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Au terme de l'article L1122-6, paragraphe 6 du CDLD, Mme Muriel Minet sera remplacée par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14, soit Mme Caroline Wagemans, après vérification de ses pouvoirs et prestations de serment. Mme Magnier, les pouvoirs ont bien été vérifiés, vous me le confirmez, tout est en ordre. C'est parfait. Je vais donc inviter Mme Wagemans à se présenter devant M. Pierre Collard-Bilvy, faisant fonction en l'absence de Mme Thoron, pour pouvoir prêter serment, et ce, avec le respect des distances, bien sûr. Voilà, je vous en prie, vous pouvez prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bravo. Pour félicitations, on ne peut pas faire la collab. Un petit check quand même. Et bienvenue au club. C'est comme ça, je crois. Voilà. Bon travail parmi nous. Je vais laisser à tout un chacun le temps d'aller prendre place dans les différents bureaux. Pierre, tu vas où? Je vais dans mon bureau. Ok. Je te laisse remonter alors. Oui, c'est coupé. Voilà, quelques instants. Monsieur Collard-Bovy va remonter dans son bureau et Madame Wagemann sera dans le bureau de Madame Magnier.
Alors. Tout le monde est installé, on peut y aller, Pierre. Je ne vois pas Pierre. Pierre, tu nous entends? Il y a un souci là. Il est là? Non, parce que je ne le vois pas. Ah oui, ça va, je vois son bureau là-bas, toujours vide. Ok. Voilà, Pierre nous a rejoints. Eh bien, nous allons passer au point numéro 4 qui concerne l'approbation du procès-verbal du Conseil communal du 27 janvier 2021. Y a-t-il des questions ou des interventions à propos de ce procès-verbal? Je ne vois pas de main levée. Je considère donc qu'il peut être approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Président. Alors, oui. Président, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas reçu le procès-verbal du Conseil conjoint? Madame Magnier, vous avez une idée, une réponse? Oui. Branchez votre micro. Micro. Oui, donc je disais, j'ai transmis les deux PV qui ont été rédigés par le directeur général lors de la précédente réunion. Donc je vérifierai, je les transmettrai ultérieurement. Ok, on va suivre. Ok pour vous. C'est bon? Je n'entends plus. Bon. Ok, je peux passer au point suivant? Merci. Alors, le point suivant concerne la désignation d'un conseiller de l'action sociale. Suite à la démission de M. Charles Tollenard de son mandat de conseiller de l'action sociale acté par le Conseil communal du 30 septembre 2020, conformément à l'article 19 de la loi organique des CPS du 8 juillet 1976, il convenait de désigner son remplaçant. Aussi, par un courrier du 15 octobre 2020, Mme Muriel Linet, au nom de la liste GEM, a présenté Mme Mireille Lavis en remplacement de M. Charles Tollenard. Dès lors, par sa décision du 10 novembre 2020, le Conseil communal a désigné Mme Mireille Lavis en qualité de conseillère de l'action sociale. Cependant, par son courriel du 28 novembre 2020, M. Stéphane Lamy, directeur général du CPS, a informé Mme Marie-France Boucueil, présidente du CPS, que Mme Mireille Lavis ne pouvait être désignée en remplacement de M. Charles Tollenard, compte tenu de l'article 14 de la loi organique des CPS. En effet, au terme de cet article, lorsqu'un membre autre que le président cesse de faire partie du Conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat, le groupe politique qu'il a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du Conseil. Or, jusqu'à la démission de M. Charles Tollenard, 5 hommes et 6 femmes siégeaient au sein du Conseil de l'action sociale. Dès lors, M. Charles Tollenard ne peut être remplacé par Mme Mireille Lavis, mais doit l'être par un homme. Aussi, il convient que le Conseil communal retire sa décision du 10 novembre 2020 et désigne un conseiller de l'action sociale en la personne de M. Georges Conradi. Voilà, toutes nos félicitations à M. Conradi et bon travail au CPS. Le point numéro 6 concerne Namur, province au fil de l'eau. Monsieur le Président, oui. Christophe, à mon avis, voulait intervenir. Oui, je n'ai pas vu, Christophe. Ok, oui, Christophe, vas-y. Pardon, Monsieur le Président, juste pour ajouter simplement ceci, je suppose également que le Conseil communal présente ses excuses à Madame Lavis pour ne pas avoir vu qu'on était dans l'erreur, parce que je pense que cela aurait dû être fait bien avant,
au niveau des instances, tout simplement. Donc voilà, parce que je pense aussi que pour elle, ça peut être, c'est peut-être aussi une déception. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'usage à faire lorsqu'on est responsable d'une erreur. Ok, je transmettrai. Je pense que c'est déjà fait. Je sais qu'effectivement, elle en est déçue. Mais voilà, il fallait respecter cette règle-là. Mais je transmettrai, il n'y a pas de problème. Comme quoi, il n'y a pas que Georges-Louis Boucher qui se trouve dans les stratégies. Bien, merci pour cette intervention. J'en reviens donc au point numéro 6, Namur, province au fil de l'eau. Nous accueillons donc M. Alain Stevens du BEP. Mais avant tout, je cède la parole à M. Pierre Collard-Bovy. Voilà, c'est ça. Effectivement, je vais d'abord peut-être faire un petit rétroacte concernant ce projet de Namur province au fil de l'eau, puisque c'est début, enfin dans le courant 2015, je n'ai plus la date exacte évidemment, que le BEP nous a invités, tous les échevins du tourisme, pour nous présenter un vaste projet qui s'appelle Namur province au fil de l'eau, qui couvre une dizaine de communes sur la Meuse et sur la Sambre. Depuis le début, on avait quelques petites réticence, en tout cas en ce qui me concerne, sur l'endroit choisi, qui pour nous était du mauvais côté de la Sambre, autrement dit qu'il n'était pas du tout le long du Ravel, mais qui était de l'autre côté, avec un endroit peut-être un petit peu symbolique, puisqu'il se terminait sur une langue de terre et d'arbres qui se terminait par le voilà, vous le voyez là maintenant à l'écran, par le confluent de l'Orneau et de la Sambre. Donc symboliquement, c'était peut-être intéressant, mais ça ne nous semblait pas idéal. Enfin, on a beaucoup discuté, puis c'est passé du temps, 2017-2018, et nous sommes revenus donc en fin 2018, début 2019. Nous avons eu une réunion avec le BEP en septembre 2020, et un courrier daté du 4 novembre 2020 et une réunion également donc le 1er décembre 2020. À cette réunion, le collège a remis au BEP son analyse de la situation et sollicité un changement de site avec des explications bien évidemment. Alors merci à M. Stevens qui est présent avec nous pour nous présenter les nouvelles perspectives du projet. Je lui donnerai la parole le plus vite possible, en tout cas dès qu'on aurait été un petit peu plus loin dans l'explication. Donc, deux parties, le parc Rive Nord et l'accès au Ravel Rive Sud. Voilà, ça c'était le projet qui était prévu évidemment, avec le pont de Sambre qui passe là au-dessus. L'objectif partagé, c'est la réussite de l'intégration de ce projet à long terme. Identification d'un certain nombre de menaces qui pourraient rendre difficile la concrétisation et son succès à long terme. On a cherché évidemment les menaces on les connaissait, mais on a essayé de les résumer, de les mettre ensemble évidemment pour tenter une proposition de solution. Les menaces étaient notamment un site éloigné du Ravel du village lui-même. Donc, encore une fois, il fallait quitter le Ravel, monter sur le pont de Sambre, de pont de Ham, pour redescendre sur le site concerné. Et le pont, il faut savoir qu'il culmine à 29 mètres de hauteur. Donc, ça veut dire qu'on allait faire, c'était le projet de faire un escalier de je ne sais combien de marches pour 29 mètres, c'est quand même pas mal de marches. Ou alors une rampe qui partait d'assez loin pour que les cyclistes éventuellement, les ravelistes puissent grimper sur le pont et traverser de l'autre côté. Mais on a considéré qu'il y avait quand même peu de chances que les gens se rendent dans ce parc, les ravelistes certainement pas, ou en tout cas à de rares exceptions, parce qu'il fallait quand même déjà le vouloir pour passer de l'autre côté. Et voilà. Et en plus, le parc était un peu loin du centre du village. Même les villageois n'étaient pas certains qu'ils se reconnaissent dans ce projet. Alors, topographie compliquée également dans l'ancien projet, puisqu'il y avait un dénivelé très important entre la Sambre elle-même, donc le Ravel, et la route pour accéder au parc. L'enjeu important pour la concrétisation du projet, le coût pour réaliser la rampe et l'escalier d'accès au Ravel, c'était des coûts supplémentaires qui n'étaient pas vraiment prévus au départ. Le coût pour le nivellement des sols, ça c'était prévu bien évidemment au départ. Le bureau d'études n'avait pas même pensé à ça, heureusement. L'enjeu également pour le succès du projet à long terme. Bon, je l'ai dit, on imaginait bien qu'il y aurait peut-être moins de clients, entre guillemets, pour aller se balader, faire la démarche d'aller se balader dans le parc. Voilà, ça c'est quand on voit
les couleurs rouges, pardon, sur le plan du pas, mais ce sont les dénivelés, vous voyez, qui sont quand même d'importance. Alors, on a discuté beaucoup, oui, alors en plus, oui, une menace difficile, c'était la parcelle concernée était possédée par différents propriétaires. Oui, le nombre de parcelles qu'il y a et le nombre de propriétaires, il fallait déjà les convaincre tous l'un après l'autre d'accepter qu'on travaille sur leur terrain pour aménager un parc. Et un autre élément à prendre en compte, évidemment, c'était le passage de canalisation de gaz, notamment Fluxys et Air Belgium, ce qui n'est pas une garantie de sécurité. Alors, voilà, donc risque pour les autorisations. Alors, la proposition du collège, c'était un autre endroit, recréer un lien entre la vieille et la nouvelle Sambre, et c'est un vrai balouche, puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Ham, un vrai balouche qui a trouvé l'endroit qui devait pouvoir satisfaire à toutes nos exigences, ou tous nos souhaits en tout cas. Je vais céder la parole à Jean-Luc Évrard, qui connaît très bien l'endroit pour y avoir été pêché, donc ça je ne sais pas, mais voilà, il va pouvoir nous expliquer un petit peu l'endroit choisi par le collège. Jean-Luc, c'est à vous. Merci Pierre, mais comme tu viens de le dire, le premier site qui avait été désigné, je vais dire, par à l'époque M. Cardier, dont il avait signé, je vais dire, l'accord avec le BEP pour cet endroit-là, était un endroit totalement inapproprié, je vais dire, pour Namur au fil de l'eau. Donc, nous avions déjà émis des réticences à l'époque et courant 2019, le BEP est revenu vers nous pour savoir exactement ce qu'on voulait faire, en nous disant, bah, écoutez, si vous voulez vous retirer, bah, vous pouvez vous retirer, vous pouvez toujours vous retirer. Sauf que, au-delà de trouver cet endroit inapproprié, on trouvait un petit peu dommage de ne pas trouver des solutions, je vais dire, bis, pour pouvoir continuer dans un projet de Namur au fil de l'eau qui nous semblait être un beau projet. Donc, Pierre m'a demandé pour voir si je connaissais un endroit qui pourrait se prêter clairement, je veux dire, au projet Namur au fil de l'eau. Et j'ai proposé le site de la Noue de Ham-sur-Sambre, qui est un endroit totalement approprié. Alors, au niveau des propositions du collège, il y a une philosophie d'approche du projet qui reste cohérente, je veux dire, sur le site de la Noue de Ham-sur-Sambre. Hein. Il y a déjà des sentiers qui sont existants, bon, qui devront être aménagés, bien entendu, mais on a rencontré le BEP hier, ainsi que l'architecte du bureau BUR, qui a déjà des idées qui jaillissent plein cerveau pour apporter des idées sur ce site. C'est une réappropriation du site par les citoyens. Une halte de fraîcheur facilement accessible pour le Ravel. Vous avez vu, je pense, sur une des premières photos où on voit déjà un accès direct du Ravel, je vais dire, sur le site de la Noue de la Vieille Sambre. Et sur une photo qui vient juste de passer là, ici, donc on peut passer à la photo suivante, là, un deuxième accès. Donc, vous avez un accès si je peux m'exprimer comme ça, dans le sens Sambreville vers Namur, ou de Namur vers Sambreville. Vous avez deux accès très faciles, et c'est des accès qui sont aussi tout à fait utilisables après des légers aménagements pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas, je vais dire, pour le premier site qui avait été désigné. Alors, les probabilités au niveau de ce site, c'est que les citoyens aillent s'y promener, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Grand nombre de citoyens de Ham-sur-Sambre, mais au-delà de Ham, hein, de l'entité, voire même extérieur à l'entité, vont se promener sur ce site régulièrement, puisque c'est un site, je vais dire, remarquable, si on peut le citer comme ça, en tant que tel. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est très relaxant de se promener là-bas. Le site se trouve vraiment sur le bord du Ravel, comme je vous l'ai déjà dit, mais il est vraiment centré entre le Ravel, comme vous voyez ici sur l'image, entre le Ravel et la Noue de Ham-sur-Sambre. Alors, ici, vous aurez aussi droit... De Ham-sur-Sambre, mais au-delà de Ham. J'entends parler, mais je n'entends pas bien. J'ai l'impression C'était le retour de ta voix, Jean-Luc. On vous entend très bien. Tu peux continuer. Ah, pardon. Excusez-moi, j'avais entendu une voix lointaine et je n'avais pas prêté attention. C'était le retour de ma voix. Merci, merci Thomas. Donc, au-delà de cela, donc je regarde mes notes. Hein, c'est une meilleure appropriation pour les PMR ainsi que pour les aînés. Ils auront sans aucune difficulté l'opportunité d'aller s'y promener. Aujourd'hui,
je vais dire, l'avantage par rapport au premier site, comme Pierre vient de l'expliquer. Sur le premier site, il y avait plusieurs propriétaires. Ici, contrairement à cela, il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est le SPWay. Le SPWay est propriétaire de cette partie-là, mais au-delà de ça, il est aussi propriétaire d'autres petites parcelles qui jouxtent la noue de la vieille chambre. Donc, c'est beaucoup plus facile au niveau des négociations. Comme ça sera expliqué par la suite, il y aura des négociations qui devront se faire aussi, enfin, pas des négociations, mais plutôt des discussions avec la DNF, hein, parce que la DNF est très favorable aussi, je vais dire, au projet, avec bien entendu certaines restrictions, hein, parce que bon, ils sont forcément, vu que c'est la DNF, ils sont très, très attentifs, je vais dire, à la faune et à la flore qui se trouvent sur place. L'avantage, c'est que le site est plus petit. Il est plus facile à aménager que le premier. Donc, qui dit plus petit et plus facile à aménager, ben forcément, le coût des travaux sera moindre que pour le premier site, ce qui est fortement non négligeable par rapport au premier site. Donc, le site, là, il fait plus ou moins 2 hectares. L'avantage, c'est que vous avez une légère petite montée, mais qui pourra être modifiée pour accéder à un vaste plateau, comme je vous l'ai dit, de plus ou moins 2 hectares, avec des vues, je vais dire, on ne peut plus merveilleuses sur la noue de la vieille chambre. Et alors, au-delà de ça, il y a encore des anciens vestiges au niveau de la noue, comme vous pouvez le voir ici, le mur là, bon, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent des questions en se demandant, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce mur? En fait, c'est un ancien pont qui servait à faire passer le charbon qui était extrait de la mine de Ham-sur-Sambre, et c'est peut-être une belle opportunité pour remettre en avant, je vais dire, le patrimoine industriel de Ham-sur-Sambre. Donc, voilà, moi, je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire de notre côté. Je vais céder maintenant la parole à Pierre, qui, s'il a encore un mot à dire, et puis il cédera la parole à M. Stevens. Je vous remercie. Merci, merci Jean-Luc. Oui, donc on a flashé sur ce nouveau site-là. On l'a proposé au BEP d'abord, évidemment, où c'est eux qui sont maîtres d'œuvre. Et la réponse a été assez positive, assez rapidement. Mais je vais laisser l'occasion à M. Stevens de nous expliquer, de nous en dire un petit peu plus concernant la réaction assez rapide et assez positive du BEP. M. Stevens, c'est à vous. Merci, Monsieur Collard-Bovy. Bonsoir à toutes et tous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer. Donc, comme l'ont expliqué Monsieur Collard-Bovy et Monsieur Evrard, en effet, on a entendu la demande de la commune par rapport à ce changement. Et comme on l'avait souligné lors de la réunion qui s'est passée le 1er décembre dernier en présence de la province, qui est à l'initiative en fait du projet Namur-Offly-de-Loup, qui nous avait chargé de réfléchir à une élaboration de différents projets au fil de l'eau de la Sambre et de la Meuse, on a entendu la demande. Donc un petit rappel peut-être pour Namur au fil de l'eau, qui est abrégé en NAFL. Donc c'est des projets qui sont subsidiés à concurrence de 80% par le Commissariat général au tourisme. Donc la région wallonne a donné des moyens au CGT de financer ces projets à concurrence quand même d'un grand pourcentage, le solde étant à charge de la commune sur lequel le projet s'installe. Donc on a entendu la demande, et vu la proposition qui a été faite et vu les arguments qui vous ont été présentés par M. Evrard et M. Collard-Bovy, nous avons remis un avis assez positif, ainsi qu'à la province. M. Van Espen était également présent à la réunion. Donc, mais ce changement nécessite plusieurs accords pour être validé, ce que nous avons fait depuis le 1er décembre. Donc, le premier, c'était évidemment d'obtenir un accord du pouvoir subsidiant, le CGT, qui a, comme l'a dit M. Collard-Bovy, participé en la présence de sa représentante hier à la visite que nous avons fait sur site, et qui a marqué un accord de principe et très positif par rapport au nouveau périmètre. Elle a pu constater que le projet pourrait s'installer, même s'il ne sera pas évidemment identique à celui qui avait été imaginé en premier lieu. Il pourra en tout cas répondre à bon nombre de demandes et d'atouts. Il sera un lien direct entre le Ravel et Ham-sur-Sambre, en effet, et il permettra d'aménager un certain nombre d'équipements pour les riverains, pour les touristes qui passeront, et faire le lien naturel, parce que, je tiens à le rappeler, les projets de Namur au fil de l'eau, c'est pas seulement un projet touristique
au fil des cours d'eau, c'est aussi la possibilité de rendre plus visible à des touristes de Mauddou qui partagent et qui parcourent les ravelles vers les communes qui sont traversées, donc vers la commune de Jemep. Ça, c'était le premier contact. Le deuxième, c'était la DGO2, donc, qui est la Direction Générale Opérationnelle des Voies Hydrauliques, qui est propriétaire des parcelles. Alors, c'est très, très bien que les parcelles soient publiques par rapport au privé, par rapport au projet, mais donc il fallait obtenir leur accord. Donc, j'ai pris contact avec le directeur, M. Roisin, pour voir s'ils étaient d'accord. Donc, ils ont fait une analyse, parce que la Sambre, l'exemple de Jemep en étant un très parlant, la Sambre, elle n'est plus du tout identique à ce qu'elle était il y a une centaine d'années. Et donc, l'Anou qui existe est la trace d'une ancienne Sambre. Et ils ont des projets en fait, de rénovation et d'élargissement de la Sambre à certains endroits. Donc, ce n'est pas le cas pour le site. Ils ont donné un accord de principe. Bon, il devrait être soumis évidemment à leur approbation en définitive. Ils nous ont invités à consulter le DNF, le département nature et forêt, qui est gestionnaire de l'ancienne Nou. Pas du site en tant que tel, mais à qui on a déjà présenté le projet et qui est très, très positif quant à l'idée de pouvoir aménager le site, non pas uniquement pour y mettre un espace dédicacé à des personnes et donc, entre guillemets, intervenir dans une nature un peu préservée qui s'est reconstruite, mais à l'idée que l'on a évoquée, puisqu'on a quand même un budget de pouvoir mettre en évidence la nature qui est là, la faune et la flore. On a eu l'occasion d'ailleurs lors d'une visite avec un de mon collègue de rencontrer, de voir certains animaux que je n'ai pas l'occasion de voir, notamment un martin pêcheur et un héron cendré aussi facilement qu'on puisse les voir ailleurs. Et donc ici, c'est une photo qu'on a prise hier et qui montre sur le site en fait les différents chemins qui existent, comme M. Evrard le dit, parce qu'il connaît bien le site en effet, on a eu l'occasion de le constater hier, et ces chemins en fait auront... en ayant le mérite d'exister, en fait, vont être remis en ordre. On ne va pas y faire des chemins en hydrocarboné, soyons clairs. Ce seront des chemins qui seront réfléchis paysagèrement pour pouvoir y accéder facilement à pied, en vélo. Et en effet, on va veiller à aménager un espace pour permettre aux personnes à mobilité plus réduite de pouvoir accéder aux différents espaces. On a eu toute une série d'idées qui nous sont venues hier avec l'auteur de projet, le représentant du bureau BUR, pour pouvoir aménager et retrouver un certain nombre de fonctions et d'espaces comme on voulait, comme ils avaient été imaginés dans le projet précédent, c'est-à-dire créer un espace aussi pour les habitants de la commune pour pouvoir leur permettre de profiter de certains points de vue sur la Nou, sur la Sambre. Donc, le troisième avis qu'on a sollicité, c'est celui du fonctionnaire délégué, M. Tourné, qui sera l'autorité compétente qui donnera un permis au niveau de la région, qui a marqué également un accord assez positif par rapport à ce choix et qui nous a invité également à consulter le DNF. Ce que nous avons fait, donc c'est le quatrième, mais non pas le troisième, pardon, il y a une petite erreur. Donc, c'est un site qui est repris pour information en site de grand intérêt biologique. Donc, ce n'est pas un site Natura 2000, si vous connaissez, qui est, lui, très contraignant, mais il a quand même un grand intérêt biologique. Donc, ils seront attentifs à ce qu'on pourra faire et ce qu'on pourrait également aménager pour favoriser la biodiversité. Donc, on a prévu une réunion à planifier tout début avril pour les rencontrer sur place, leur présenter déjà une esquisse de l'avant-projet qu'on imaginerait sur base de ce dont on a discuté hier avec la commune et avec notre auteur de projet. Et donc, on favorisera des aménagements respectueux de l'environnement qui faciliteront, qui amplifieront la symbiose qu'on pourra avoir entre les visiteurs et la faune et la flore locale. Alors, donc, ce sont des accords très positifs et favorables. Ça ne veut pas dire que le projet se fera sans difficulté. Donc, un petit rappel aussi par rapport à notre mission. Donc, on est maître d'ouvrage délégué, BEP, et donc on a une convention qui a été signée avec la commune pour ce projet-ci, donc qui reprend les montants qui sont dévolus à la commune. Donc, le BEP intervient en tant que maître d'ouvrage délégué dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage conjointe avec la DGO2 et DGO1. C'était des accords qui ont été pris. Et donc, nous nous sommes entendus avec les deux directions générales qui n'en forment a priori plus qu'une au niveau de la région. Ça, c'est les aspects plus wallons du SPW. Donc, on a désigné ensemble, en tant que maître d'ouvrage conjoint, un bureau d'études en 2019, qui est le bureau BUR et qui est associé au bureau GESTPLAN. BUR est un bureau... Qui est spécialisé en aménagement paysager. Et GESTPLAN, lui, est le partenaire qui s'occupe de tous les aspects techniques. Donc,
ça nécessitait une étude complémentaire puisque le premier projet a fait l'objet déjà d'un avant-projet complet avec un relevé. Et donc, nous avons, au terme de la réunion du 1er décembre, proposé donc un avenant qui couvre les frais de notre auteur de projet. Le BEP ne réclame aucun changement complémentaire pour l'accompagnement et les différentes démarches, mais l'auteur de projet doit réaliser à tout le moins un relevé. Donc, le site fait quand même 2 hectares. Même si on ne relève pas tout, on va quand même devoir relever un certain nombre de points pour pouvoir faire le projet correctement. Il y aura des esquisses qui sont intégrées dans cette réflexion budgétée. Il y a une analyse cartographique, donc on a pu prendre connaissance aussi de l'ancien charbonnage et des contraintes. On a également, nous, en interne, une analyse qui va se faire au niveau des sols. On essaiera de toucher très, très peu. Même si on est relativement plat, bon, il y a quand même un site historique, donc il faudra être prudent par rapport aux petites excavations qu'on ferait. Et alors, on doit évidemment continuer à collaborer avec la commune pour avoir un projet qui vous satisfait. Et donc, par après, on fera un avant-projet complet qui sera soumis à l'approbation de la commune. Donc, les honoraires pour l'auteur de projet sont de 30 758 euros, TVA comprise. Alors, en termes du planning de l'étude, donc, mais si vous approuvez cet avenant aujourd'hui, qui sera soumis, je pense, à votre vote par après, nous pourrons lancer le relevé du géomètre qui pourrait être terminé dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Nous réaliserons une esquisse d'aménagement pour début avril en vue de rencontrer le DNF et de lui présenter les différents endroits avec votre accompagnement, bien entendu. Si on obtient un accord de votre part on avance, et du DNF, on avancera sur un avant-projet pour début mai et une approbation que nous espérons pour juin quant à l'avant-projet, ce qui nous permettrait de déposer le permis dans le courant de l'été et finaliser les études et le dossier d'exécution pour les travaux qui viendront dans une phase ultérieure pour lequel on lancera un marché spécifique dans la fin de l'année. Le permis, on espère bien l'avoir pour tout début d'année, mars ou plus tard de l'année prochaine, ce qui permettrait en parallèle de lancer le marché de travaux et de lancer donc les travaux effectivement aux alentours du mois de septembre de l'année prochaine jusqu'à fin 2023 en fonction de l'ampleur des travaux et de ce qu'on rencontrerait. Voilà. Je vous cède la parole, M. Collard-Bovy. Micro, Pierre. Ouais, pardon. Merci beaucoup, M. Stevens. Vos explications sont évidemment un atout supplémentaire et une confirmation de ce que nous pouvons dire uniquement en étant amoureux du site, évidemment. En résumé, rapidement, le nouveau site présente donc des atouts par rapport au premier, respect de la philosophie globale du projet, proximité avec le village et le Ravel, et accès direct à ce même Ravel, un site plat et des aménagements moins onéreux, donc coût moindre des travaux, une superficie plus petite, plus réaliste donc au niveau de l'entretien du site par la commune, il fallait y penser aussi. Un seul et unique propriétaire des parcelles, non de la parcelle, c'est le SPOE. Et puis, il y a un intérêt historique, on l'a dit également, pour le fait que c'est un ancien site minier qui porte cette noue. Voilà, Monsieur Stevens l'a cité évidemment. Donc, le BEP nous propose un avenant à la convention adoptée le 21 décembre 2017. Actant cette modification et ce qui en découle, ce changement est vu pour le prestataire désigné par le BEP des honoraires supplémentaires d'un montant de 30 758,20 euros TVA comprise. Il est donc demandé, il vous est demandé, cher conseiller, de vous prononcer sur l'avenant de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre du projet Namur Province au fil de l'eau. Merci, M. Collard-Bovy. Y a-t-il des questions sur ce projet ? Pas de questions. Est-ce que nous pouvons passer au vote ? Monsieur Seron, Pierre demande la parole. Oui, Monsieur Seron. Oui, voilà. C'est parce que j'ai 2-3 questions quand même par rapport à ce dossier. Et donc, je suis quand même étonné. Déjà, je voudrais une petite précision en disant que ce n'est pas Philippe Carrier qui avait choisi le site, mais en tout cas, c'est bien le BEP. Parce que Jean-Luc avait précisé que c'était Monsieur Carrier. Mais en tout cas, comment expliquez-vous qu'à l'époque, le BEP avait été favorable à ce lieu ? Je pense que quand il y a eu l'étude à cette époque, le BEP avait déjà penché sur les considérants qu'on pouvait y avoir. Donc, je suis quand même étonné qu'on revienne sur ces considérants et je suis étonné de la nature, en tout cas, de l'étude qui aurait été faite à cette époque. Donc, il y a quand même un double discours et je suis complètement étonné de ce changement de direction, aussi bien de la commune que du BEP. Donc, voilà, je voudrais bien une précision parce que je pense que lors de la première étude,
tous les considérants avaient été faits par le BEP. Si je peux répondre, Monsieur le Président ? Oui. Non, effectivement, ce n'est pas M. Carlier qui a choisi le site. Le site était choisi par le BEP et par un bureau d'études. C'est parti comme ça. J'ai dit que dans 2015, quand moi j'étais encore chargé du tourisme, j'avais déjà émis des réserves sérieuses concernant l'implantation du premier site choisi. Et puis voilà, nous sommes partis, comme vous le savez, fin février 2016. C'est M. Carlier qui a signé la convention, ce que je n'aurais jamais fait, étant donné mes réticences. Mais bon, voilà, c'est du passé. On a relancer les réticences auprès du BEP. Le BEP nous a écoutés, on lui a proposé un nouveau site, on a regardé, et je crois que tout le monde est tombé d'accord, M. Seven se l'a bien expliqué, comme quoi c'était quand même un site beaucoup plus intéressant pour le citoyen. D'abord, c'est quand même pour le citoyen qu'on fait ça, évidemment. Okay, oui. M. Steven, vous souhaitez intervenir ou pas? Mais je rejoins ce que M. Collard-Bovy dit. Quand on a fait le tour de l'ensemble des cours d'eau, c'était deux de mes collègues qui ont fait l'ensemble du tour des ravels pour identifier les sites. C'est vrai qu'on le fait, nous, avec notre regard externe. Et donc, il nous a semblé, à l'époque, avec un partenaire qui était un bureau qui nous a aidés à esquisser les projets, que ce site semblait être intéressant. Et donc, on l'avait proposé aux communes, comme on l'a fait à toutes les autres communes. Et donc, à ce moment-là, on avait eu on n'a pas eu de réticence définitive, un non catégorique, donc c'est pour ça qu'on a poursuivi dans cette solution-là. Maintenant, rien n'est fait au niveau des travaux, donc il n'y a rien de mal fait. C'est, entre guillemets, une étude complémentaire et qui permet de rattraper le coup et qui sera compensée, comme l'a dit M. Collard-Bovy, je pense, par un coût de travaux nettement moindre. Merci. Monsieur Seron ? Oui. Donc, j'ai aussi une petite précision. Vous dites dans votre délibé, la proposition du collège communal d'implanter le site au lieu dit de la vieille Sample a été accueillie favorablement par les acteurs ainsi que le propriétaire des terrains concernés. Le service public de Wallonie étant entendu que celui-ci disposait d'un meilleur potentiel. Si il a un si bon potentiel et s'il a été accueilli favorablement par les acteurs, pourquoi alors nous, la commune, avons-nous des honoraires supplémentaires de 31 000 euros? Ça, je n'ai pas bien suivi. Je peux répondre? Oui, Pierre. On peut laisser la parole à M. Stevens aussi, évidemment. Mais M. Seron, il faut savoir qu'il faut refaire une étude de terrain, il faut quand même refaire des analyses. Ça a été développé par M. Stevens. Et donc là, forcément, c'est un bureau d'études qui doit s'en charger, qui va facturer ses honoraires. Ça me semble assez logique. Alors maintenant, on l'a dit, on l'a redit, M. Stevens l'a répété maintenant encore, c'est que les travaux qui étaient évalués sur le premier site à 1 250 000, je crois, à la louche, hein, comme ça, vont coûter moins cher maintenant, donc la part de la commune sera également rabotée. Vous dire qu'elle le sera de 30 000 euros, je n'en sais rien, elle le sera peut-être de 50 000 euros, on ne sait pas, ça on ne sait pas évidemment, il faudra attendre l'étude et voir combien le budget total des travaux vont représenter. Donc nous sommes d'accord, Monsieur Pierre Collard-Bovy, donc ça veut bien dire que la première étude avait été quand même favorable et qu'il n'y avait pas spécialement de problème comme vous le signifiez maintenant. La première étude était favorable pour ceux qui l'ont fait, et pour M. Carlier peut-être, mais pas pour nous en tout cas. C'est clair que nous, on n'était pas favorable du tout. En tout cas, le BEP avait été favorable, donc le site était potentiellement accessible, en tout cas réalisable. Et beaucoup plus difficilement, ça je peux vous le dire. M. Sévet, les finances étaient là aussi pour le faire. Oui. Le Président. Financière était là. Oui, M. Evrard. Merci, M. le Président. Déjà, une petite précision sur la première intervention de M. Seron, quand M. Seron dit que j'ai dit que c'était M. Carlier qui avait choisi le site. Là, M. Seron, vous devriez peut-être être un petit peu plus attentif. J'étais très attentif, Jean-Luc, et c'est ça que tu as dit. Ce n'est pas ça que j'ai dit, pas du tout. C'est bien on verra la vidéo. On verra, il n'y a pas de souci. C'est bien le BEP, je précise, c'est bien le BEP qui a proposé cet endroit. Mais je précise bien que c'est M. Carlier qui l'a validé. On a fait savoir à M. Carlier nos réticences en tant que conseiller de l'opposition. Nous l'avons fait savoir au conseil communal à maintes reprises, ainsi qu'en commission. On a fait connaître nos réticences parce que cet endroit était totalement inapproprié. Il est tout à fait normal
que nous avons les voyants au vert pour le deuxième site. Je pense qu'il n'y a pas photo, monsieur Seron. Je pense qu'il y a peut-être de la frustration dans le chef de votre groupe politique, de votre nouveau groupe politique. Ce n'est pas de frustration, Jean-Luc. Mais... La frustration, elle vient de chez toi, et donc il faut que tu arrêtes, il faut voir l'avenir, et donc arrête un peu de voir ta frustration. S'il vous plaît. Est-ce que, monsieur Seron, je ne vous coupe pas la parole quand vous parlez, donc s'il vous plaît, ayez un petit peu de politesse et ne me coupez pas la parole. Pour une fois que c'est moi, Jean-Luc, je suis très content. Mais c'est toujours comme toi, c'est toujours comme ça, Pierre, tu as toujours l'air de couper la parole. Donc laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Point barre, je pense qu'ici, aujourd'hui, nous avons prouvé que nous voulions entrer dans une dynamique au niveau de Jamais Plus Sambre. On n'a pas laissé tomber ce projet, bien au contraire, on a trouvé des solutions pour trouver un site qui était relativement plus approprié. Ne vous en déplaise, hein, monsieur Seron, et ainsi qu'à votre équipe, à votre groupe politique, ne vous en déplaise, peut-être que c'est frustrant, mais je pense quand même qu'à l'époque, lorsque votre ami, monsieur Carlier, qui était échevin du tourisme et de la culture à ce moment-là, il a sauté à pieds joints, il n'a pas écouté les conseils qu'on lui donnait, et il a préféré aller comme ça, c'était beaucoup plus facile. Je pense qu'ici, vous avez tendance à accuser le BEP, quelque part, vous mettez le BEP si vous mettez le BEP en contrepartie si vous mettez le BEP dans la danse en disant que voilà, ben, le BEP n'a jamais émis d'avis défavorable par rapport à ce site, bon, ben, forcément le BEP a proposé un site, ça ne veut pas dire pour autant qu'il imposait ce site, loin de là, et la preuve en est aujourd'hui, on a proposé un deuxième site beaucoup plus approprié et le BEP l'accepte bien volontiers. Je peux vous dire que nous avons rencontré lors d'une visioconférence M. De Gueldre, le directeur du BEP, ça a pris 10 minutes, monsieur Seron, quand on lui a présenté le deuxième site qu'on vient de vous présenter ici, en 10 minutes, c'était bouclé, c'était bâclé, il avait compris, il avait dit, il n'y a pas photo, c'est là-bas qu'il faut le faire, je fais le nécessaire pour faire changer cela. Et c'est vrai, voilà, monsieur De Gueldre, c'est ton grand copain. Mais qu'est-ce que ça a à voir ? S'il vous plaît, tu viens parler. Cessez ces considérations, s'il vous plaît. Je t'assure, Pierre, c'est dommage, parce que franchement, t'es ridicule, quoi. Franchement, Monsieur Thomas, tu ne te rends même pas compte à quel point t'es ridicule. Monsieur Lambert souhaitait la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Ben, tout simplement pour ajouter un aspect à la discussion qui n'a pas encore été réellement abordé en profondeur, c'est le fait qu'en fait, effectivement, le projet proposé par le BEP a été validé à l'époque. Maintenant, le BEP propose un projet pour l'intérêt, je vais dire, touristique et pour le paysage et le côté un peu exceptionnel du confluent. Ça, c'est, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il y a d'autres considérants qui viennent s'ajouter à ça. Voilà, on parlait des finances tout à l'heure. C'est clair que si le BEP propose le projet, c'est la commune qui a en charge l'entretien de ce projet ainsi que le coût des travaux en partie, comme ça a été expliqué. Alors, je pense qu'il ne faut pas refaire le débat ici par rapport au futur des finances Jemmépoise et déjà au présent d'ailleurs. Il était primordial de pouvoir trouver un endroit qui puisse être gérable dans le temps. C'est pas tout de faire un beau projet si après on n'a plus les finances pour pouvoir l'entretenir et que ce projet qu'on le laisse aller. Donc la chose la plus importante, c'était de pouvoir faire quelque chose qui soit de taille humaine. Nous, ce qu'on a fait clairement quand on a repris ce projet-là, on a mis nos bottes, on a été voir sur place ce que ça représentait. Je ne sais pas si vous avez déjà été de la voirie jusqu'au bout, mais c'est immense et c'était complètement ingérable pour les services communaux. Donc voilà, tout simplement, à un moment donné, il n'y a pas que l'aspect visuel ou touristique qui entre en jeu, il y a aussi des aspects financiers. Alors malheureusement ou non, ça c'est un autre débat, mais ça fait partie de notre job aussi de pouvoir faire quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. D'autres questions sur cet avenant ou sur ce nouveau projet ? Oui. J'ai une remarque à faire simplement, c'est que je clôturerai le commentaire de Thomas Lambert en disant que nous, on anticipe l'avenir, ce qui n'est pas la qualité profonde de chacun d'entre nous. Nous, en tout cas, on anticipe. Mais je voulais juste, et ça c'est un clin d'œil évidemment, parce qu'on va quand même pas passer la soirée là-dessus, c'est un clin d'œil, je crois que Monsieur Sevens du BEP a déjà adopté le site, puisqu'il se situe au bord du site, donc pour participer à ce conseil communal.
C'est gentil, merci pour ces explications. En tout cas, merci Pierre. Mais voilà, on peut se poser des questions. Le conseil communal est quand même là, fait pour. Et donc, voilà, nous avons eu de brefs informations, je pense, en commission. Donc, il est quand même normal qu'aujourd'hui, on apprenne certaines choses. Donc, il est quand même assez important qu'on puisse relever certaines questions, il me semble. Et donc, je pense que ça fait encore partie de la démocratie, même si certains n'en voudraient plus. Merci. Alors, en tout cas, j'ai encore des questions, Monsieur le Président. Je vous écoute. Merci. Alors, ce qui nous pose problème, en tout cas, ce qu'on ne comprend pas avec ce projet, c'est la promiscuité qui est entre le projet que vous venez de décrire et la vieille Sambre. La vieille Sambre, il faut savoir quand même qu'elle accueille des pêcheurs et le projet voudrait accueillir des touristes. Est-ce que ce projet peut faire bon ménage en sachant que je pense que chacun a des connaissances ici, pêcheurs, et les pêcheurs vous diraient qu'ils préfèrent apprécier le silence et le calme et la quiétude du site. Donc voilà, je ne suis pas certain que les deux pourraient se combiner. En tout cas, quelle garantie on a de savoir, la proximité avec les touristes et la proximité avec les pêcheurs. Merci. Monsieur Stevens ? Oui, si je peux répondre. Donc, on y sera très attentif. Et moi-même, j'ai pêché par le passé, donc je sais qu'on a besoin de quiétude. On a eu l'occasion de rencontrer quelques-uns hier. L'intervention ne se fera pas sur l'entièreté. Sur la noue, on n'y touche pas. On va même la privilégier à certains endroits. Pour, si vous situez au niveau de l'île, l'ancienne île en fait, de la Sambre, en fait, celle-là, on aura un point de vue à la proue, on va le dire, à ce niveau-là, mais on va empêcher, on va voir avec le DNF justement pour privilégier des espaces de quiétude pour la faune et la flore, mais également pour les pêcheurs. Il n'est pas question de commencer à permettre à tous ces touristes, mais je vais quand même relativiser, même si on espère que Gemep soit fortement visité demain par les touristes du Ravel, vous n'allez pas avoir une affluence de centaines de personnes qui vont être là. Hein. On aura des petits groupes, je ne pense pas qu'on ait plus de 30 à 50 personnes sur 2 hectares, c'est quand même relativement étalé. Hein. On ne va pas faire en sorte de générer des flux de personnes. Donc on sera bien attentif à votre remarque, de toute façon, ce qu'on comptait déjà intégrer. Et donc, moi, j'ai encore quelque chose à préciser. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même la blette de Ham. Je pense qu'il faut quand même les solliciter aussi pour voir. Et donc, ça, c'est à Jean-Luc que je parle plutôt, puisque nous sommes de Ham tous les deux. Et donc, il y a quand même un club de pêche. Et donc, il faut peut-être bien les consulter aussi, il me semble. Et j'ai encore une dernière question. C'est peut-être l'avant-dernière, en tout cas, pour ce débat, en tout cas pour ce projet. Est-ce qu'il est toujours question d'un parking de 30 personnes? Parce que je ne sais plus si je l'ai vu ou pas. Parce que dans le premier projet, il y avait un parking de 30 personnes. Et je voulais savoir si dans ce nouveau projet, le parking de 30 personnes était toujours d'actualité. Alors, si je peux me permettre, Monsieur le Président. Donc, en fait, on n'a pas défini le nombre de places et il n'est pas question d'aller faire un plus grand parking que celui qui existe déjà côté Namur. Je ne sais plus le nom de la rue, mais a priori, ce serait ce parking-là qui serait privilégié et on le réaménagerait pour qu'il soit viable. Donc, il profitera aussi bien aux touristes de Ham, également aux pêcheurs. OK, voilà, c'est parce que comme il y avait eu 30 places, c'est parce que vous voyez quand même le site, vous avez été visité, et je pense que Jean-Luc et moi, et en tout cas les gens qui fréquentent ce genre, en tout cas, ce lieu connaissent très bien, c'est une route qui est quand même dangereuse, et le parking est déjà assez étroit, et donc c'est pour ça que je me posais la question de savoir si on allait agrandir ce parking et voir comment est-ce que la mobilité allait pouvoir jongler, en tout cas, allait pouvoir se jongler. Je peux juste dire, moi, qui vais compléter ce que M. Stevens dit, qu'il sera aménagé intelligemment. Monsieur Boulanger souhaitait la parole. Oui, merci, M. le Président. Juste rapidement, c'est juste pour... quand nous avons vu ce projet, nous avons été assez mal à l'aise parce que la facilité aurait été d'aller dans la continuité. Mais on était vraiment en difficulté par rapport à ce projet parce qu'on n'y croyait pas vraiment au niveau de l'emplacement. Et donc, comme Thomas l'a dit, on a mis nos bottes et nous sommes allés sur le terrain. Et ça nous a flashé. On s'est dit, ce projet ne sera pas quelque chose à long terme de vraiment intéressant, ni pour les Jemepois, ni pour les gens qui seront sur le Ravel. Et donc, je rappelle également que, outre l'argent que ça aurait coûté à la colline de Jemep-sur-Sambre, c'était un projet à plus d'1 million d'euros.
que ce soit la commune de Jemappes-sur-Sambre ou la région, c'est quand même de l'argent public. Donc je pense que globalement, le projet sera beaucoup plus porteur et en plus, il coûtera moins cher à tout un chacun. Donc je pense que c'est tout bénef. Et simplement, je voulais juste appuyer ce point-là sur le fait qu'on n'a pas choisi la facilité en allant vers ça, mais je pense que vraiment là, on va tous y gagner, que ce soit les porteurs de projets, le BEP, voilà. Donc, voilà. Merci, M. Boulanger. Monsieur le Président, oui. À mon avis, dans le projet d'avenant élaboré par le BEP, à mon avis, il y a une erreur parce qu'il est toujours signé Stéphanie Theron, députée bourgmestre. Si jamais. Petite précision. C'est un détail, monsieur Seron. Ben oui, ben je préfère vous le dire. Merci pour le... Ça sera je préfère vous le dire. Et donc, nous attendrons alors les informations suivantes, en tout cas avec tous les acteurs qui devraient se réunir. Donc, en attendant, nous mettrons... ça sera une abstention de notre groupe en attendant la suite de cet événement. Donc, on n'est pas contre, comme vous l'aviez été... pour le premier projet initial, mais là, on s'abstiendra pour attendre la suite du projet. En tout cas, voilà. Je vous souhaite bonne chance et que ce projet se concrétise. Merci j'espère à vous. J'espère que vous, Malouche, vous apprécierez quand même le travail qui sera effectué pour votre village. Monsieur Pierre Colombovi, vous savez que si j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai. Donc, si les choses sont bien faites, je le dirai aussi. Merci. Bien, nous allons, s'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Oui, une dernière intervention. Monsieur le Président, oui, merci. Juste pour répondre à Pierre, hein, où il s'inquiète dans le sens où il demande qu'on rencontre le club de pêche La Blette, mais pas plus tard que ce matin, j'ai pu rencontrer le président de La Blette Ham. Et j'ai pu déjà discuter un petit peu avec lui sur le projet, et je lui ai déjà fait part qu'il était clair que M. Stevens et bon, l'ensemble de l'équipe qui va travailler sur ce projet va regarder justement à ce que les pêcheurs puissent garder leur quiétude au bord de l'eau et que les personnes qui iront sur ce site ne pourront pas, bien entendu, aller faire n'importe quoi sur les berges de la Vieille Sambre, surtout aussi pour une question de sécurité, puisqu'il y aura des enfants qui iront aussi là-bas, je veux dire, avec leurs parents et ainsi de suite. Donc, M. Stevens nous a déjà attiré notre attention par rapport aux accès des berges. Donc, je suis sûr et certain que le bureau d'études va travailler justement pour apporter le confort nécessaire pour tout un chacun. Donc, tu pourras encore rassurer le président en disant que M. Stevens est un ancien pêcheur. Oui, tout à fait. Donc, il connaît le problème. Tout à fait. Mais bon, c'est un super beau projet et c'est vraiment quelque chose où on peut dire qu'il y aura un réel vivre ensemble, je vais dire, sur un site qui demande beaucoup de respect et de calme. Donc, voilà. Si ça peut déjà commencer à te rassurer un petit peu, Pierre. Je suis tout à fait rassuré, Jean-Luc, et je voulais aussi préciser que lors du premier projet, j'avais mis les bottes avec Pierre Colombovi pour aller voir le premier site, et donc c'est tout à fait normal, et donc que vous ayez été voir le deuxième. Tu n'avais pas foutu des bottes, des godasses que tu as démolies. S'il vous plaît, nous allons passer au vote, si vous voulez bien. Donc, si j'ai bien retenu, s'il n'y a pas d'autres questions, abstention chez PEPS, 5 abstentions. Monsieur Delcomen. Je ne vous entends pas. Fred ? OK, c'est bon. Madame Valkenborg ? Oui. C'est oui. Donc oui. Deux oui. Et Monsieur Sacré ? Le groupe GEM est unanimement favorable. Merci bien. Donc, ça nous fait 15 et 2, 17, plus Monsieur Delcomen, 18. Et 5 abstentions. OK, c'est bon pour vous? Merci bien. Le point suivant concerne l'Assemblée générale extraordinaire de la SBL Rébus qui se tiendra le 24 mars et soumis à approbation l'ordre du jour. Mais avant de passer à cette approbation, M. Colombovi nous donne quelques explications complémentaires. Oui, effectivement, parce que par leur courrier du 11 février 2020... Ouais.
Ah oui, pardon, on a oublié de dire au revoir à M. Stevens, de le remercier de sa présence, évidemment. Pas de souci. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne continuation. Au revoir, M. Stevens. Merci. Excusez-nous. Au revoir. Donc, micro, Pierre. Micro. Tiré parce que moi, je l'avais mis. Voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, je recommence. Par leur courriel du 21 février 2021, Madame Coraline Abside et M. Claudio Pescarolo, respectivement présidente et administrateur délégué de l'ASBL Rébus, portent à la connaissance de l'administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ASBL Rébus, qui aura lieu dans un mois, le mercredi 24 mars à 19h30 par visioconférence. Les conditions pratiques pour assister à cette réunion seront transmises ultérieurement, bien évidemment. L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire portera sur le point sur la situation financière du réseau, l'impact pour les familles et le personnel, la décision, malheureusement, de dissolution de cette ASBL et la nomination d'un ou d'une liquidateur ou liquidatrice. Suite à un entretien téléphonique échangé en date du 15 février 21 entre M. Pescarolo, administrateur délégué, et la directrice générale faisant fonction, il appert que les annexes financières ne sont actuellement pas disponibles. Elles seront fournies dans les meilleurs délais par la SBL à l'administration communale avant l'Assemblée générale extraordinaire du 24 mars. Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de la SBL Rébus. Y a-t-il des questions sur cet ordre du jour? Mélanie? Oui, Madame Bouten. Oui, merci, Monsieur le Président. Voilà, je voulais savoir s'il y aura une réflexion de reclassement du personnel. Ça, ça ne dépend pas de nous, Mélanie. Ça dépend effectivement de l'ASBL Rébus. Le personnel de l'ASBL Rébus, j'espère pour lui qu'il sera recassé, mais ce n'est pas nous qui pourrons nous prononcer dans cette matière-là. Non, la question, c'est quand c'est eux qu'on... Bien sûr, mais j'espère qu'on sera bien attentif à ça. Bon, on fera passer le message à Claudio. Merci. Alors, j'ai une autre petite question. Combien de personnes seront susceptibles de perdre aussi leur emploi? Vous avez la question, M. Pescarolo. Moi, je ne sais pas combien de personnel est employé par la SBLRB. C'est vrai qu'il y aura sans doute, malheureusement, des licenciements ou des réorientations de carrière, on l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que malheureusement, la SBL, ils ont essayé, ils ont cherché des subventionnements. À partir du moment où on perd de subventions, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est difficile. Ils ont vraiment essayé de... un peu tous azimuts, mais ils ne sont pas parvenus à rassembler la somme nécessaire que pour continuer leurs activités. Et alors, j'ai une autre question aussi, comment va-t-on la situation de la SBL? Je n'ai pas bien compris la question. Comment va-t-on organiser la situation? On ne t'entend pas. Le micro n'est pas branché pour moi, Mélanie. Si mon micro est branché. On ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui, mais écrivez-moi. Articule bien alors. Bien. Tu m'entends? Je vais lire sous tes lèvres. Ah, voilà. Voilà. Comment va-t-on organiser la liquidation de la SBL? C'est toujours, oui, je sais, la même réponse. C'est la même réponse. C'est la même réponse, oui. C'est à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, ils vont désigner un liquidateur, une liquidatrice. Voilà, c'est seulement après l'Assemblée générale qu'on pourra peut-être en savoir un peu plus. Tout à fait. Enfin, j'espère qu'on va bien être attentif à cela. Mais c'est une dissolution à déplorer, évidemment, parce que c'était un service extraordinaire rendu à la population. Et c'est très triste que ça s'arrête là. Ah oui, c'est très triste. Enfin, voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur cet ordre du jour. Est-ce que nous sommes d'accord sur l'ordre du jour qui est proposé? Je ne vois pas de réaction, donc je suppose que nous l'approuvons à l'unanimité. S'il n'y a pas de réaction... Non, Monsieur le Président. Okay. Oui? Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire que c'est des questions qui peuvent être retransmises à l'AG? Je pense que ce serait intéressant, je veux dire, de poser ces questions à l'AG. Je pense que nos représentants, effectivement, c'est leur rôle. Ce qui vient d'être évoqué, effectivement, ce qui vient d'être évoqué, je pense que les représentants pourraient effectivement le soumettre, en tout cas, et poser ces questions-là. Tout à fait, et par la même occasion de dire que nous déplorons cette situation. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Merci. OK. Président. Oui. Je ne sais pas. Moi, Président, en complément de ce qui vient d'être dit et demandé,
je voudrais quand même qu'on soit attentif à la liquidation des biens de la SBL. Okay. Où certaines choses vont partir, où vont être vendues, si ça va être pris par. Merci. Ok. J'ignore quels sont nos représentants. Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Pardon ? C'est Madame Thoron. Mais voilà. Je crois que nous en ferons part à Madame Thoron si elle a l'opportunité d'assister, je vais dire, à cette Assemblée générale, puisqu'elle aura lieu le 24 mars. Ok, ben, on fera part de toutes ces questions à Madame Thoron, qui sera notre représentante à l'Assemblée générale. D'accord ? Bien. Nous passons au point suivant qui concerne une décision de l'autorité de tutelle concernant l'approbation des comptes 2019 de l'administration communale de Jemeppe-sur-Sambre. Monsieur Lambert. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il est porté à la connaissance des membres du conseil communal l'information et décision suivante provenant de la tutelle. Par son courrier du 2 février 2021, Monsieur Collignon, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, indique que les comptes annuels pour l'exercice 2019 de la commune de Jemeppe-sur-Sambre, arrêtés en séance du Conseil communal en date du 10 novembre 2020, sont approuvés par arrêté du 1er février 2021. Alors, juste un petit complément d'information pour ceux qui se sont penchés sur ces comptes. Il y a certains montants qui peuvent apparaître... qui peuvent poser question. Donc, on voit par exemple 377 000 euros en non-valeur qui sont liés, comme on en a déjà parlé, à des dégrèvements sur l'impôt sur les personnes physiques et sur le précompte immobilier. Alors ensuite, il y a aussi quelques soucis au niveau de d'écriture, donc des différences d'écriture, en tout cas des différences dans la lecture de certaines écritures entre la direction financière et la tutelle. Et alors, on peut voir également qu'au résultat exceptionnel, nous avons un mali de 990 000 euros qui est en fait lié à des créances qui ont été mises en irrécouvrable. Donc, en fait, ce sont des sommes qui ont été inscrites dans des budgets précédents, donc voilà, certains datent même de 2014, voire avant. Et ce sont des sommes qui ont été inscrites et que nous ne devions pas recevoir. Donc voilà, tout simplement, ici, il y a un certain montant qui a été mis en irrécouvrable lors du compte 2019. Pour le reste des informations, étant donné que M. le directeur financier est absent aujourd'hui, je propose que l'on collecte les éventuelles questions pour les reposer à M. Dessy, vu que du coup, ça va devenir technique. Voilà. Ok, mais justement, y a-t-il des questions à transmettre à M. Dessy ? S'il n'y a pas de questions, nous voilà informés sur cette approbation des comptes 2019. Le point numéro 9 concerne le 12e provisoire pour le mois de mars. M. Lambert nous fait une information, nous communique une information à ce propos. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, nous avions mis un point concernant le 12e provisoire, mais c'est un peu en suivant évidemment le principe de précaution parce que lors de l'arrêt, je vais dire, de l'ordre du jour qui a eu lieu le 8 février, ainsi que lors de l'envoi de la convocation pour ce conseil communal qui a été réalisé le 16 février, nous n'avions pas encore reçu de retour du budget 2021 de la tutelle. Nous avons reçu le courrier de la tutelle le 17, donc le lendemain. Donc voilà, ce point-là n'a plus lieu d'être aujourd'hui, étant donné que le budget 2021 de la commune a été approuvé par la tutelle. Et nous le retrouverons au prochain conseil en point d'information, comme c'est le cas d'ordinaire. Voilà. Merci, Monsieur Lambert, pour cette information. Le point numéro 10 concerne l'environnement et une convention entre la société anonyme Curitas et l'administration communale de Jemeppe-sur-Sambre. Madame Doumont. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est de nouveau reconduire cette convention pour tous les conteneurs sur notre commune pour la gestion des déchets textiles ménagers. Donc, il est demandé au Conseil d'approuver cette convention avec Curitas et notre commune, simplement. Des questions ? Pas de questions ? On peut approuver cette convention. Monsieur Gobert, vous devez la parole. Oui, Monsieur Gobert. Micro. Voilà, Président, je voudrais simplement faire une mini-intervention. Vous savez que sur notre territoire de la commune de Jemeppe, nous avons une donnerie. Oui.
est-il imaginable de pouvoir aider cette denrée par le biais de la société qui récolte les vêtements, Caritas? Je vous explique. De nombreux vêtements arrivent sur cette donnerie qui ne sont pas toujours en état valable pour pouvoir les redisperser dans la population. La seule chose qui est très ennuyeuse chez nous, c'est qu'il y a assez bien de déchets. À un certain moment donné, ben, la mode est passée, certaines choses doivent être déclassées pour faire de la place pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il serait imaginable de demander à la commune de faire placer deux bulles sur le site de la donnerie, afin que nous n'allions plus déverser dans les bulles dès qu'elles sont vides? Ce serait quand même un plus et une facilité pour eux. Madame Dumont? Oui. Vous m'entendez? Oui. Mais je pense qu'on peut regarder à cela et puis on peut mettre aussi en contact la donnerie, on peut donner les coordonnées, tout ce qui s'ensuit, pour essayer d'envisager quelque chose comme ça. On peut y regarder, tout à fait, M. Gobert. Donc, comment... Ici, dans cet avenant-là, est-ce que vous allez déjà en parler, de voir si Caritas s'est déposé de bulles à vêtements sur le site de la donnerie ou pas? C'est ce qui les intéresse le plus. J'ai pas compris la fin de la question. Je dis, c'est ce qui intéresse le plus la donnerie, c'est qu'on puisse disposer de deux récupérateurs de vêtements. Mais je pense qu'il faut avoir un contact avant, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Pas du tout. Donc, je peux prendre contact. Et on en reparle pour la prochaine fois. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour eux. De rien. Merci, Michel. Merci. Moyennant cette suggestion, est-ce que nous pouvons approuver la convention? Plus d'autres questions? On peut l'approuver à l'unanimité? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour eux. De rien. Merci, Michel. Merci. Oh, j'ai un retour. Le point suivant concerne le service prêt de matériel avec un nouveau règlement et une nouvelle redevance. Mais nous allons prendre point par point, même s'ils sont liés. Et je cède la parole à M. Évrard. Merci, M. le Président. Donc, suite à une évaluation du système de prêt de matériel communal, certains points améliorés ont été relevés. C'est la volonté de revoir le règlement. Le règlement découle également du plan stratégique transversal et son objectif stratégique, c'est une administration communale efficace dans son fonctionnement interne. Objectif opérationnel, c'est d'améliorer les procédures de travail au sein des services afin de les adapter, simplifier et les rendre accessibles en permanence. C'est revoir la procédure de location du matériel communal. Aussi, au vu de la modification à prévoir, il convient d'abroger les dispositions concernant le prêt matériel approuvé par le Conseil communal du 20 juin 2014, modifié par le Conseil communal du 20 septembre 2018, et d'arrêter un nouveau règlement relatif à la location de prêt matériel, ainsi qu'un règlement redevance location du matériel. Il est également envisagé de revoir le système de location, gestion par un service communal unique, et d'adapter les différents formulaires de prêt en fonction de la qualité de l'emprunteur, donc service interne particulier, groupe association et soutien de l'administration. Les propositions y relatives seront donc revues par la suite. Il est demandé au Conseil communal d'abroger les dispositions concernant le prêt matériel repris au règlement général relatif à l'occupation des locaux communaux et au prêt de matériel, approuvé par le Conseil communal du 30 juin 2014, modifié par le Conseil communal du 20 septembre 2018, et d'arrêter le règlement relatif à l'allocation de prêts matériels. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas. Pas de questions? Donc, deux votes. Le premier, c'est sur le nouveau règlement. Est-ce que nous pouvons être d'accord à l'unanimité? OK. Et le second point, donc le point numéro 12, là, concerne le nouveau règlement, mais en ce qui concerne la redevance, nous pouvons également être d'accord à l'unanimité
Je ne vois pas de questions. Je vous remercie. Le point numéro 13 concerne les plaines de vacances et la convention avec l'école fondamentale de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Suisse pour l'occupation des locaux lors des congés de Carnaval, Pâques, Août et Toussaint 2021. Monsieur Lambert. Oui, merci Monsieur le Président. Ben voilà, ici, c'est, je ne vais pas vous lire le laïus, c'est la même convention que chaque année, comme vous le savez, pour les plaines de Carnaval, Pâques, Août et Toussaint. Nous louons des locaux l'école de SPI. Donc voilà, c'est simplement la convention qui arrive un peu tardivement pour la plaine de Carnaval, certes, mais qui sera donc bien effective pour les plaines suivantes. Voilà. D'accord sur cette convention, pas de questions, l'unanimité, je vous remercie. Un peu de sport au point numéro 14 avec le renouvellement de la convention d'adhésion à la SBL Panathlon Wallonie-Bruxelles. Monsieur Boulanger. Et oui, voilà, mais donc, comme tous les ans également, nous sommes très attachés à notre collaboration que nous avons avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles et donc, il s'agit aujourd'hui de renouveler la convention annuelle qui nous lie et qui nous permet de travailler en collaboration avec cette ASBL qui promeut le fair play dans les activités sportives. Donc voilà, on vous demande d'approuver la convention d'adhésion à cette ASBL, le Panathlon Wallonie-Bruxelles. C'est une convention connue, j'imagine qu'il n'y a pas de questions et que nous pouvons l'approuver à l'unanimité. Ok, merci bien. Le point numéro 15 concerne le plan de cohésion sociale et l'approbation des modifications de ce plan de cohésion sociale 2020-2025. Je cède la parole à Madame Bouqueuil. Et je précise, oui, et je précise que nous accueillons pour ce point Madame Koopmans qui est là, bien présente. Merci Madame Koopmans. Merci à vous Madame Bouqueuil. Merci Monsieur le Président. Alors, comme vous le savez, le plan de cohésion sociale poursuit deux objectifs, à savoir réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux et être aussi à la construction d'une société solidaire et co-responsable pour le bien-être de tous. Pour ça, le plan de cohésion sociale se décline en actions coordonnées visant à améliorer la situation de la population par rapport à la cohésion sociale et aux 15 droits fondamentaux. Des actions sont mises en place par les services dans le cadre du plan de cohésion sociale subsidié par la Wallonie, le plan de cohésion sociale 3 et hors subside sur les fonds propres. Comme vous le savez, chaque année, la commune doit remettre à la Wallonie ses fiches projets présentant les actions envisagées dans le cadre du plan de cohésion sociale 3 et surtout les adaptations ou modifications sollicitées par rapport à l'année précédente. Pour rappel, notre commune dispose d'un subside de 128 672 euros. Je vais donc laisser évidemment la parole à Virginie Koopman, responsable du service du plan de cohésion sociale, qui va vous présenter les fiches et les modifications opérées dans le cadre du plan de cohésion sociale 3 de 2021. Mais je voudrais dire à Virginie et à toute son équipe que cette année sera sûrement encore marquée par la crise sanitaire que nous traversons et que nous savons tous que dans les services, autant dans les services que pour les acteurs de terrain, devront s'adapter encore et encore par rapport aux activités proposées. Déjà, merci Virginie pour ta présentation, pour ta présence et pour tout le travail que tu réalises avec ton équipe. Je te laisse la parole. Merci Marie-France. Donc, je vais partager mon écran. Oh, j'espère que ça va bien se passer parce que je n'ai pas l'habitude de faire cela. Et donc, on va partir de la première slide. Je suppose que tout va bien. Merci, oui. Je peux continuer? Oui. Ah, pardon. Voilà. Oui. Voilà.
Donc, je viens ici vous présenter, donc bonsoir tout le monde, je viens ici vous présenter les modifications au niveau de nos fiches actions pour le plan de cohésion sociale 2020-2025 et peut-être prendre le temps de vous expliquer aussi d'où sont nées ces idées de modification. Ben, depuis en tout cas 2019, on a mis en place différents groupes de travail, un groupe de travail santé alimentation, un groupe de travail logement, un groupe de travail citoyenneté, épanouissement familial, social et culturel et un groupe de travail ISP mobilité qui se rencontre régulièrement plus ou moins tous les deux mois. Donc, on reste dans les sept axes fondamentaux d'accès aux droits fondamentaux. Donc, c'est toute une série de réflexions, en tout cas, qui sont nées lors de ces rencontres par rapport au plan de cohésion sociale qui a débuté en 2020 et les actions mises en place. Aussi, des remarques et des échanges lors de la commission d'accompagnement PCS qui a lieu chaque année, qui a eu lieu cette année en présentiel en septembre 2020, dont Marie-France est la présidente de la commission, et des réunions PAT, donc la plateforme des acteurs de terrain, par rapport au diagnostic social, en tout cas au niveau du territoire, que nous devons continuellement remettre à jour, aussi par rapport à des réflexions en réunion d'équipe et des échanges avec Marie-France. Alors, on va directement dans les modifications au niveau de l'axe 2. Donc, il y aura deux propositions de suppression de fiches. C'était deux actions, pardon, au niveau de mise en place d'ateliers collectifs en économie d'énergie, économie d'eau pour personnes précarisées. Donc, pourquoi les enlever? Parce qu'on se rend compte que ça ne répond plus à la demande des acteurs de terrain de pouvoir mettre en place ces ateliers collectifs et on a vraiment une difficulté au niveau de la mobilisation des citoyens puisqu'on avait déjà commencé l'action en janvier 2020 et qu'on a eu très 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 peu de retours pour la mise en place. Donc les acteurs de terrain ont voulu qu'on se tourne vers l'axe 2 d'une autre manière en tout cas. Et l'introduction de deux nouvelles fiches actions qui seraient un suivi individuel pour les ménages en difficulté. C'est une convention qu'on aurait avec Sambre Habitat, avec une subvention d'un montant de 5 000 €. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les locataires de Sambre Habitat à gérer leur logement en tant que bon père de famille et notamment pouvoir traiter tout ce qui est syndrome de Diogène, je pense, si je ne me trompe pas, donc les gens qui accumulent, etc. Et donc de pouvoir les accompagner dans la gestion de leur logement. Et alors une autre action qui est petit aménagement continu et durablement, ça veut dire c'est de pouvoir accompagner les citoyens à aménager leur quartier. Donc ça, on l'a observé suite aux nombreux idées, constats qui sont émis sur la plateforme Plus City, et donc hors budget participatif, de pouvoir accompagner des citoyens dans vraiment des très petits aménagements. Donc on peut faire de la prévention autour d'un quartier propre, on peut mettre des bacs à fleurs, on peut repeindre un mur en couleur. Donc, on est vraiment là à plus petite échelle. L'axe 3, par rapport à la santé, il y a deux actions qu'on souhaiterait mener de manière simultanée, donc ce qui est médecine préventive et dépistage gratuit. Donc, partir d'un calendrier sur tout ce qui est journée mondiale internationale, donc diabète, nutrition, etc., de pouvoir prendre le bus des quartiers et de pouvoir aller à la rencontre des citoyens pour faire de la prévention autour de ces journées, mais aussi proposer des dépistages gratuits quand cela est nécessaire. Donc, ça, c'est un constat récurrent dans notre groupe de travail santé alimentation, en tout cas cette question de la prévention. Et alors la dernière action, ce sera le plan grand froid, grand chaud sur la commune de Jeumes-sur-Sambre qui existe déjà via les acteurs de terrain, mais en tout cas une volonté au niveau du plan de cohésion sociale de coordonner les différentes actions qui sont déjà mises en place pour donner plus de sens et plus de visibilité aussi. Au niveau du droit à l'alimentation, on propose de supprimer l'action cours de cuisine. Donc ça, c'était plutôt un travail qui était porté par le GAPS, le CPS et la Saint-Vincent de Paul. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté déjà de mobiliser les acteurs de terrain autour de cette action. Bah, par exemple, le CPS, notre interlocutrice directe qui était Géraldine Drico, était fort occupée par l'ouverture de son épicerie sociale. Nous avions des bénévoles aussi comme la Saint-Vincent de Paul, mais qui dit bénévole dit en fonction de leur temps, et aussi des bénévoles vieillissants. Donc, c'était assez difficile de mobiliser tous les acteurs. Et de plus, bah, suite à l'ouverture de l'épicerie sociale, le CPS va proposer des ateliers. Donc, ça nous semblait plus pertinent, en tout cas, de laisser ça au CPS et de pouvoir venir en soutien si nécessaire.
et en tout cas de rajouter une nouvelle action qui est la distribution des colis alimentaires, donc distribution qui se fait déjà depuis plusieurs mois avec les Restos du Cœur, la SBL, les Relais du Cœur Val-de-Sambre, et de pouvoir en tout cas, il y a une volonté de pouvoir pérenniser cette action au-delà des mesures sanitaires Covid-19 et donc de pouvoir assurer aussi une bonne coordination dans la distribution de ces colis sur Jemeb sur Sambre. L'axe 6, le souhait de supprimer en tout cas deux fiches. La première, c'était un titre assez étrange qui était « Échange citoyen recueil de la parole », mais c'était le projet relais de quartier, de pouvoir former un relais par quartier, par village, pour pouvoir faire le relais entre l'administration, les acteurs de terrain, les citoyens. Donc, ça correspondait plus aux attentes de terrain, mais non seulement on observait que la méthodologie était difficile à mettre en place, ça prenait beaucoup plus de temps et un besoin de moyens humains. Et donc, cette action n'a pas été menée cette année. Et alors, la co-construction, amélioration du plan PCS via une méthodologie spirale qui n'a pas été mise en place non plus suite au Covid. C'est une méthodologie participative, donc collective. Et nous travaillons avec d'autres outils méthodologiques. Donc, nous ne sommes plus en demande de continuer avec le plan spirale. Et pour terminer, l'axe 7, le droit à la mobilité, de supprimer l'atelier mobilité. Donc, c'est une convention qu'on a avec Format GAPS. Encore une fois, ça ne correspond plus aux attentes dans le sens où on peut mobiliser le taxi social pour que l'atelier est donné à Sambreville. Donc, on peut mobiliser le taxi social pour que des Jemepois puissent se rendre à Ouvlet sur le site du GAPS pour suivre l'atelier. C'est facilement accessible en transport en commun, et le groupe de travail ESP Mobilité souhaitait travailler sur une action plus ponctuelle autour de la mobilité à Jemeb-sur-Sambre, de sensibilisation. Et alors, la dernière action, covoiturage, donc ça s'est fait, c'est une convention qui est passée, je pense, en novembre, décembre dernier avec Carpool. Et donc, comme elle a été réalisée, elle peut sortir du plan de cohésion sociale 3. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Merci, Madame Koopmans. C'était clair. Y a-t-il des questions ? Ce seront... Oui. Oui, merci. Mais j'allume mon micro. Alors, écoutez, je suis quand même étonné que pour un point aussi important, il n'y ait pas eu de commission. Et donc, je déplore quand même, parce qu'on aurait quand même pu passer certains points en détail. Ce que je vais vous demander dans mes prochaines considérations. Donc voilà, donc on est quand même au regret qu'il n'y ait pas eu cette commission et qu'on doit en débattre, en tout cas qu'on doit débattre de ces points plus largement ce soir. Alors justement, est-il possible de me dire point par point la réalité du terrain sur les actions que vous allez retirer ? Donc la réalité du terrain, pour moi, ça veut dire ce que vous avez mené, et voir comment est-ce que vous avez jugé que cette pertinence était, en tout cas, que c'était une pertinence de pouvoir le retirer, Madame la Présidente. Micro, Marie-France. Je pense franchement qu'il y a eu vraiment tout un travail qui a été réalisé. Le Covid n'a sûrement pas été une chose facile. Et... Il y a bien des axes et des actions qui étaient difficiles à réaliser dans le contexte du Covid, parce que faire des réunions à deux, trois ne servait pas à grand-chose. Donc, il y a des décisions qui ont été prises et nous avons décidé de mettre des projets en valeur qui allaient pouvoir permettre d'être à la rencontre du citoyen si le Covid ne le permet. Mais voilà, je pense que ce n'est pas une situation facile et que c'est vrai que le plan de cohésion sociale chapeaute un peu beaucoup de choses, mais dans cette situation-là, excusez-moi, Monsieur Seron, mais tout est dit. Je suis tout à fait d'accord que c'est une période un peu particulière, mais donc comment est-ce qu'on peut juger sur l'efficacité et sur la valeur des actions qu'on est en train de retirer? Mais on a fait des choix pour être certain que les actions que l'on va faire, ce seront celles-là qui seront les plus porteuses. En tout cas, je suis quand même un peu surpris, parce qu'en étant président du CPS, et vous avez les attributions des affaires sociales,
et vous avez la fibre écologique. Je suis quand même. Et puis, dans votre présentation, vous parlez d'inégalité et de droits fondamentaux. L'action 2.602, atelier collectif en économie d'énergie pour public précarisé. L'action 2.702, atelier collectif en économie d'eau pour personnes précarisées. Je suis étonné que vous supprimiez ce genre d'action en ayant autant de valeurs écologiques et en ayant autant de fonctions au sein du collège. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça ? Alors, monsieur Seron, je vous arrête tout de suite. Les actions énergie et les actions continuent sur l'eau, mais il faut amener les gens. Alors, même dans… Madame Bouqueuil, elle ne continue pas, puisque ici, d'approuver la suppression de certaines… Ça sera au CPAS, donc ça continue au CPAS. C'est une action qui pouvait faire des synergies, mais il y aura encore des actions dès que c'est possible au CPAS. Mais en attendant, ce n'est pas la priorité, c'est on a fait des choix au niveau d'un plan de cohésion sociale. Mais ici, vous parlez du CPS, ici nous on parle du PCS, d'accord ? Donc ici au PCS, moi j'en perds même les mots, on parle de suppression de certains ateliers, ok ? Donc les deux premiers que je viens de vous citer, je suis étonné de les voir se retirer, puisqu'on parle quand même d'économie d'énergie et d'économie d'eau. Vous savez quand même qu'à l'heure actuelle, c'est quand même des situations un peu particulières, et c'est justement ce genre d'initiative qu'on devrait, qu'on devrait réaliser. Et donc, je suis étonné que ça se retire par rapport au PCS. Donc, voilà. Et donc, vous ne me donnez pas de précision par rapport à ça. Mais de toute façon, si il y a une action, évidemment, on prendra contact avec le plan de cohésion sociale et que des citoyens pourront venir demain aussi à cette réunion. Monsieur le Président, peux répondre ? Est-ce que je peux tenter de répondre ? Oui, Monsieur Boulanger. Merci beaucoup. Comme ça, on reste sur les deux questions. En tout cas, celui qui concerne l'économie d'énergie et l'économie d'eau de Monsieur Seron, c'est évidemment après concertation avec le plan de cohésion sociale et le retour qu'on a eu du plan de cohésion sociale où il y avait très peu de mobilisation des citoyens. Donc, si les citoyens ne se montrent pas collaborant par rapport à ces éléments-là, c'est une décision qui a été prise en concertation avec Virginie Kaufmanns, mais on peut également, j'invite Virginie à répondre également à la question concernant ces deux ateliers. Mais donc pour revenir sur l'historique de ces deux ateliers, donc l'idée c'était tous les 6 mois de cibler un quartier particulier de Jemeppe-sur-Sens avec les acteurs de terrain et proposer 3-4 ateliers. Mais avant ça, de faire un diagnostic. Donc, on avait commencé par cibler un quartier de début janvier 2020. On avait déposé un tout de boîte dans toutes les boîtes aux lettres pour que les gens puissent répondre à un questionnaire très, très simple sur leurs besoins en matière d'énergie. Et le passe-partout venait 3 fois sur le quartier, reprendre les questionnaires. Et donc, au matin, après-midi et au soir. Et sur ces 3 fois-là, on n'a eu aucun retour via le passe-partout. Et mon collègue David Jean-Marc a fait le porte-à-porte et je pense est revenu avec peut-être deux questionnaires. Donc, c'était assez difficile. Maintenant, ces actions-là ont été transformées. Donc, nous avons créé un livret pédagogie de l'habité qui est distribué à tous les acteurs de terrain qui vont pouvoir par la suite redistribuer. Donc, on a aussi essayé d'être créatif par rapport aux mesures sanitaires et malgré tout d'avancer sur nos actions. Ce seront Ce que je voulais dire par là aussi, c'est qu'il y avait quand même un service au sein de l'administration qui est l'éco-passeur, et je pense que c'est aussi son boulot, conseiller en logement, en énergie, je pense que ça stipule bien sa fonction. Et donc, on aurait pu faire, je pense, un partenariat avec ce service-là pour déboucher peut-être sur des actions, en tout cas, plus, peut-être pertinentes. Donc voilà, donc ce service existe quand même au sein de l'administration. Donc, c'est peut-être dommage qu'on ne l'ait pas exploité. D'autres questions ? Oui. Alors, oui. Alors, je l'avais bien dit que nous étions dans une année particulière. J'en suis conscient. Excusez-moi, mais je suis quand même encore réaliste. Donc, voilà. Donc, c'était 2020, on ne peut pas la compter. Donc, c'était pour ça que j'étais très étonné de voir la suppression d'actions. Par contre, pour l'article 2, serait-il possible qu'on puisse parcourir ensemble avec les détails des actions par action, des nouvelles que vous allez mettre sur place, en fait. Je voudrais avoir le but final, et en tout cas, pour
Est-ce qu'il faut que je repartage mon écran? Béry, je crois que Est-ce que tu peux reformuler dans quoi je n'ai pas été claire? Oui, et donc je demandais pour... puisqu'on n'avait pas eu de commission, tout ça, donc ça serait quand même qu'on ait un peu plus de précision sur les actions que vous allez demander pour les nouvelles actions 2021. Quels seront les objectifs et qu'est-ce que vous allez mettre en... Sur, comment allez-vous travailler sur le terrain? C'est ça que je voulais demander. Oui, donc l'idée, c'est d'être sur le terrain. Nous, on est aussi là pour coordonner, fédérer les acteurs de terrain, donc d'aller chercher aussi les personnes, que ce soit autant les bénévoles que les professionnels, à fédérer autour d'un projet, les citoyens, c'est de faire du collectif. Et on a une grille d'évaluation, en tout cas dans notre fichier Excel du plan de cohésion sociale, qui nous permet en tout cas à un moment donné d'analyser si nos objectifs sont bons ou pas. Maintenant, en interne, on travaille avec une fiche d'équipe, donc moi, mes collègues sont dans l'obligation d'avoir une fiche projet avec une fiche d'évaluation. Nous faisons des réunions d'équipe tous les 15 jours, nous avons des visios entre ces réunions d'équipe, les groupes de travail, enfin voilà, on a quand même beaucoup de liens aussi avec la direction générale et les collèges, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'interactions autour de nos projets. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça ne répond pas spécialement parce que je ne vois pas comment est-ce que vous concrétisez les actions que vous nous présentez, au fait, sur le terrain. Mais par exemple, je t'ai expliqué la médecine préventive et les dépistages. Mais comme je l'ai dit, on va prendre le passe-partout, on va aller dans les villages de Jemeppe-sur-Sambre en fonction des journées mondiales internationales, parce que c'est ces journées-là qui sont mises plus en avant au niveau de la communication, dans les journaux, etc. Et de pouvoir aller proposer aux citoyens des dépistages gratuits avec des professionnels de terrain, qu'ils soient généralistes, maison médicale, CHR Val-de-Sambre, le relais santé Bassambre, par exemple, qu'ils puissent être présents avec nous pour pouvoir sensibiliser. Et donc ça, c'est tout un travail de communication. Et donc on a la chance, nous, d'avoir un Johnny Mac qui est bien 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 motivé et qui est toujours aussi présent pour nous suivre, pour anticiper la communication en amont. Ok, merci Virginie. Et je voulais aussi savoir combien d'actions vous meniez par an au PCS. Alors, je ne saurais pas dire les actions vraiment PCS, mais de manière générale, cohésion sociale, on a une soixantaine d'actions par an, donc un certain nombre d'actions qui sont vraiment liées à la subvention de la région Wallonne PCS. On a des actions cohésion sociale qui viennent soit de fonds propres de la commune ou différents appels à projets, et alors toutes les actions qu'on mène aussi dans le cadre du PST. Puisque le service de cohésion sociale est cité très très souvent dans le PST, et donc ça nous fait plus ou moins une soixantaine d'actions qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Oui, et vous pouvez me rappeler combien de personnes travaillent chez vous maintenant? Alors, moi en tant que chef de service, j'ai 3 temps pleins, actuellement un mi-temps, donc Joël Roy qui a mi-temps chez nous, mi-temps com, qui par la suite partira totalement à la communication, dans l'attente d'un engagement animateur européen, donc ce qui veut dire que ce temps plein-là qu'occupait Joël Roy est consacré à l'EPN, et j'ai 2 temps pleins au niveau des chauffeurs taxi social, mais vraiment la cohésion sociale, c'est 3 temps pleins. Merci pour ces réponses. Et donc je voudrais poser une question à Madame la Présidente. Oui, elle est là. Oui, si. Et donc, voilà, vous savez que 2020 et 2021, c'est des années un peu particulières, on est tout à fait d'accord, donc le PCS doit se mettre en mouvement et c'est très compliqué de pouvoir concrétiser des actions. Après 2021, j'espère qu'on retrouvera une vie plus sereine et beaucoup plus paisible, où les actions pourront être menées, tout ça. Est-ce que, avec les 3 temps pleins sur place, pensez-vous que c'est suffisant pour mener plus de 60 projets, en tout cas 60 actions sur le terrain? Madame la Présidente. Alors, monsieur, je veux bien me projeter, mais me projeter comme ça, je ne saurais absolument pas le faire et je crois que personne ne saurait le faire. Je crois qu'il faut laisser le plan de cohésion sociale se mettre en route et avancer. Je pense que 3 suffiront largement, mais rien n'est dit. On verra avec les 62 actions comment les choses vont se présenter, comment les choses vont s'échelonner. Moi, je ne veux pas vous répondre à une telle question.
OK, voilà. On verra ça alors plus tard. Par contre, Virginie… Dans une commission. Pardon ? Nous le ferons dans une commission. OK, c'est très bien. Par contre, Madame la Présidente et Virginie, je suis très content de voir régulièrement le service Relais Bassombe Santé, parce qu'à un moment donné, on le sentait pas très présent sur la commune. En plus, il avait quand même un subside important, je pense. Et donc, je le vois de plus en plus. Donc, c'est quelque chose que je voulais souligner, que je trouvais ça bien, qu'il soit de plus en plus présent sur notre commune. Merci. Merci, Monsieur Seron. Merci, Monsieur Seron. Y a-t-il d'autres questions sur ces modifications du plan de cohésion sociale? Est-ce que nous pouvons passer au vote? Accepté à l'unanimité, pas de réaction négative? OK. Eh bien, nous approuvons ces modifications à l'unanimité. Toujours dans le cadre du plan de cohésion sociale, le point numéro 16, c'est l'adhésion à la centrale de marché École numérique du service public de Wallonie. Madame Boucquet. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de sa libéralisation, l'EPN a reçu en date du 10 décembre 2020 un subside de 15 000 euros faisant suite à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2020. La somme doit être déboursée via la centrale d'achat. Bloque la route et demande de faire demi-tour. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Ça va mieux? OK. On a des interférences policières. Oui. Bon, allez-y, Madame Boucquet. Allez-y. Je vais commencer parce que je ne sais pas quand est-ce que… Donc, je recommence. Dans le cadre de la labellisation, l'EPN a reçu en date du 10 décembre 2020 un subside de 15 000 euros faisant suite à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2020. La somme doit être déboursée via la centrale d'achat École numérique et doit servir uniquement aux bénéficiaires de l'EPN. Ce subside permettra de remettre à neuf l'ensemble du parc informatique de l'espace public numérique mobile de Jemeppe-sur-Sambre. Suite au webinaire du SPW en date du 14 janvier 2021 portant sur les démarches administratives à réaliser, la commune de Jemeppe-sur-Sambre doit signifier son adhésion à la centrale des marchés École numérique via une délibération du conseil communal pour ensuite transmettre celle-ci à la tutelle. Aucune dépense avant cette démarche n'est éligible vis-à-vis du subside. Dès lors, il est demandé au conseil communal de se prononcer sur l'adhésion de la centrale du marché École numérique du service public de Wallonie. Des questions sur cette centrale de marché École numérique? Pas de questions, pas de réactions. On peut l'approuver et se prononcer en tout cas favorablement à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de passer au point numéro 17 encore, merci à Mme Kortmans pour sa présence pour les deux points concernant le plan de cohésion sociale. Merci à toi, Virginie. Pardon. Le point numéro 17, c'est de la culture et c'est notamment les modifications du titre numéro 3 du règlement général relatif à l'occupation des locaux communaux et au prêt de matériel, notamment dans l'occupation du centre culturel Gabriel Bernard. Monsieur Pierre Collard-Bovy. Oui, effectivement, malheureusement, depuis quelque temps, le personnel du centre culturel est confronté à des manquements de la part de certains locataires, utilisateurs des sites, quant à notamment la procédure de sécurisation du bâtiment lorsqu'on le quitte, le respect des infrastructures ou encore le rangement du matériel utilisé. Vous savez que ce qu'on appelle les récurrents, donc ceux qui viennent régulièrement au centre, ben ils sont parfois seuls puisqu'il y a un système de retrait des clés et remise des clés dans des petits boîtiers. Et on a dû constater malheureusement que parfois, voilà, il y avait des manquements. On a trouvé plusieurs fois les portes du centre ouvertes toute la nuit. Il y a quand même des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros de matériel maintenant dans ce centre culturel. Et ce serait un petit peu dommage qu'on se fasse tout dérober. Donc, il est proposé au conseil communal de mettre en place une amende de 150 euros pour le premier cas de non-respect de la procédure de sécurisation, dégradation de matériel et ou non-respect du bon usage du matériel du centre culturel, et de 250 euros si une récidive était constatée. Ça paraît un petit peu lourd,
parce que ce sont généralement des ASBL qui n'ont pas de... Mais il faut faire attention, nous avons un centre culturel à préserver et du matériel, un investissement de matériel important. Et donc, voilà, on demande simplement au conseil communal de nous permettre d'introduire cet aspect du règlement. Des questions à propos de ce règlement ? On va être un peu plus sévère pour protéger tout ce matériel. Est-ce que nous pouvons nous prononcer favorablement sur cette modification à l'unanimité? Je ne vois pas de questions. Je vous remercie pour cette unanimité. Le point numéro 18 dans les marchés publics et centrales d'achat, c'est la délégation de compétences du Conseil communal au Collège communal en matière de recours à une centrale d'achat. C'est Pierre, je crois, finalement. Oui, oui. Effectivement, l'article L1222-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule en son paragraphe 2 que le Conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il y a adhéré pour y répondre. En vertu du paragraphe 3 de l'article susmentionné, le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 alinéa 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire pour des dépenses relevant du budget ordinaire. Cette délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée à 3 000 euros hors TVA. En vertu du paragraphe 4 de l'article susmentionné, le Conseil communal peut également déléguer ses compétences visées au paragraphe 2 alinéa 1er au collège communal pour les dépenses relevant du budget extraordinaire. Cette délégation est quant à elle limitée aux commandes d'un montant inférieur à 30 000 euros hors TVA dans les communes de 15 à 49 999 habitants. Nous en comptons 19 000. Étant donné qu'il convient de faciliter la prise de décision au sein de la commune, notamment pour les commandes passées par le biais de centrales d'achat pour lesquelles une décision d'adhésion a été approuvée au préalable par le Conseil communal en vertu du même article, donc L1222-7, paragraphe 1er, il est proposé au Conseil communal, par analogie aux décisions prises par celui-ci le 21 janvier 2019, de permettre au collège communal de définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de décider de recourir à des centrales d'achat pour les acquisitions à l'ordinaire sans limite de montant et pour les acquisitions à l'extraordinaire inférieures à 25 000 euros hors TVA. De permettre deuxièmement au directeur général ainsi qu'au directeur technique de définir les besoins de termes de travaux, de fournitures ou de services et décider de recourir à des centrales d'achat pour les acquisitions à l'ordinaire inférieures respectivement à 3 000 euros hors TVA ou à 2 000 euros hors TVA. Il est donc demandé au Conseil communal de donner délégation de ses compétences de définition des besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recours aux centrales d'achat au collège communal pour les acquisitions à l'ordinaire sans limite de montant et pour les acquisitions à l'extraordinaire inférieure à 25 000 euros hors TVA et donc de donner délégation de ses compétences de définition des besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recours aux centrales d'achat au directeur général et au directeur technique pour les acquisitions à l'ordinaire inférieur respectivement à 3 000 euros hors TVA et 2 000 euros hors TVA. Merci, M. Collard-Bovy. Des questions sur cette délégation ? M. Sévenance ? Oui, voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Oui. Voilà. Tout simplement, vous savez, lorsqu'on retire un peu de compétences au niveau du conseil communal, c'est toujours un peu délicat. Voilà, c'est vrai qu'on pourra toujours dire qu'on le fait en bon père de famille. Voilà, le collège n'est pas un bon père de famille pour moi. Donc, je pense qu'effectivement, ici, il ne faudrait pas tomber dans un excès. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'un échevin de son propre chef puisse signer des bons de commande qui se verraient par la suite supprimés par le directeur financier. Donc voilà, je pense que là, il faudrait donc bien vérifier le respect à ce niveau-là pour ne pas qu'on tombe dans des travers, tout simplement. Mais ça, je pense qu'effectivement, à la fois le collège peut le vérifier, le directeur financier, mais je pense que quand on se passe pour certains montants du conseil communal, c'est toujours un peu regrettable. Voilà.
Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est souvent repasser. Maintenant, là, M. Kolarbovitch, je suis d'accord avec vous, lorsque ce sont des petits montants qui ne nécessitent pas véritablement un grand challenge au niveau d'une ligne directrice au niveau communal, j'entends. Mais attention, 30 000 euros, c'est quand même pas rien. Et lorsqu'on met des montants sans limite, ben, ça peut poser question. Donc j'attends de la vigilance, et pour vous dire que nous serons très attentifs à ce niveau-là, et que retirer le pouvoir au niveau du conseil communal, d'autant plus quand on est majoritaire de votre part, c'est un peu étonnant. C'est vrai qu'on peut aller plus vite, mais la vitesse en cette période-ci n'est pas forcément signe de réussite. Je peux répondre à M. Sévenant, je ne vais pas répondre, oui. Alors, faire une constatation. C'est vrai que vous avez parlé, M. Sévenant, c'est vrai que parfois ça va plus vite si on fait comme ça, évidemment. Alors, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je voulais quand même dire une chose, c'est que vous avez cité l'exemple d'un échevin qui pourrait signer un bon de commande tout seul. Chez nous, je vous assure que le collège, c'est le collège. Il n'y a aucune décision qui est prise individuellement par un échevin, ça je peux vous le dire. Et en plus, le conseil pourra toujours garder un œil sur ce qui se passe. Il sera toujours informé sur la question, via notamment les PV de réunion de collège. Si vous vous en emparez, si vous les lisez, chaque fois sont éditées, et elles le sont régulièrement, les PV de collège, ben vous aurez l'information et vous pouvez réagir à ce moment-là. Réagir dans la télé. Oui, M. Chévenance. Oui, effectivement, je rassure M. Pierre Kolarbovitch, nous lisons les PV du collège avec attention, que ce soit les vôtres ou ceux de la police d'ailleurs. Donc, effectivement, mais simplement, c'est juste rappeler les valeurs démocratiques, hein, M. Kolarbovitch. Simplement, attirer l'attention, c'est pas attirer un coup de fusil sur chacun, c'est pas ça que je veux faire. Dire qu'effectivement, la ligne est tendue et que c'est délicat. Voilà, tout simplement, je ne tire sur personne en l'occurrence, mais effectivement, lorsqu'on s'octroie ce droit-là, on a une responsabilité supplémentaire. Et le collège, par extension, en est encore plus responsable s'il devait y avoir, effectivement, un défaut de procédure. Donc c'est ça que j'attire votre attention, juste sur ce fait-là. Et donc, effectivement, plus on peut le faire, mieux vaut aller au conseil communal, mieux vaut le présenter, mais j'entends, et ça je peux vous rejoindre, dans certains cas, il y a parfois de l'urgence. Donc ça, oui, effectivement. Mais attention, la ligne est tirée, et ce n'est pas simple. Donc voilà, nous serons vigilants à ce niveau-là. Monsieur Boulanger ? Voilà, je voulais juste rajouter que, tu l'as partiellement dit, Christophe, mais c'est... C'est clairement une des grosses difficultés aujourd'hui de l'administration, tu le sais mieux que personne, ce sont les lourdeurs administratives parfois. Alors ici, c'est l'opportunité de pouvoir parfois éviter certains délais ou etc. du conseil communal. Et c'est contrôlé. Et effectivement, nous, on travaille en collège et nous sommes très attentifs à ne pas faire n'importe quoi. Et donc, le but ici, c'est vraiment du gain d'efficacité. Voilà. Mais je comprends l'aspect démocratie, etc. C'est tout à fait. Moi, je trouve ici que c'est raisonnable. Ce point est raisonnable pour gagner en efficacité. Évidemment, on ne ferait pas la même chose si on parlait de sommes de 500 000 euros ou d'un million d'euros, évidemment, pour un propre projet. Oui, M. Chévenance. Merci, M. Boulanger. Je partage votre avis aussi. Mais effectivement, de toute façon, que ce soit 5 euros ou 300 000, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas une grande importance, puisque c'est quand même l'argent, je vais dire, du citoyen. Hein. Peu importe, il doit être utilisé d'une manière raisonnable, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que la vitesse n'empêche pas un contrôle. C'est ça que je veux surtout dire. Hein. Donc, n'oublions pas, puisque vous avez un directeur financier, vous avez un collège, il y a les arcanes à suivre. Il ne faudrait pas que vitesse, justement, soit stoppée véritablement par des avis qui doivent être rendus. Donc, attention, c'est juste ça que je voulais dire, M. Boulanger. Vérifions bien de ne pas basculer à certains moments, tout simplement. Mais j'ai pleine confiance en nos arcanes financières et je sais que M. Lambert y sera attentif également. Donc voilà, mais j'attire votre attention, c'est la démocratie, c'est un endroit sensible, c'est un endroit qui n'est à l'heure actuelle au niveau de la population,
bien qu'on nous renvoie souvent avec une image négative. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention. Je pense qu'on doit être très, très vigilant à ce niveau-là. Quand on retire des compétences au conseil communal, ce n'est pas forcément pour un bien, ce n'est pas forcément pour un mal non plus. Merci, M. Collard-Bovy. Oui, je voulais simplement dire à M. Stévenance et à tout le monde, la preuve que nous faisons bien attention aux finances, c'est il y a une heure, on vous a présenté un nouveau projet de tourisme qui va nous permettre de dépenser un petit peu moins et qui servira mieux le citoyen. Donc, vous voyez qu'on fait très attention aux citoyens et aux finances de la commune. Merci, M. Stévenance. Oui. J'aime bien les conclusions enjolivées de M. Pierre Collard-Bovy. Je dirais que s'il avait été autant dans la prévision, il aurait présenté un autre budget avec d'autres chiffres. Merci, M. Collard-Bovy. D'autres interventions ? Moyennant ces considérations, est-ce que nous pouvons donner délégation de ces compétences ? Avis favorable et unanime ? À l'unanimité, je vous remercie. Non. Pardon ? Non, c'est bon. Mais M. Seron qui parle, mais on ne l'entend pas. Donc, Oui, M. Seron. Il fait des bons de carpe sur sa chaise, mais... M. Seron. Oui, il a des problèmes avec son micro, donc je vais répondre pour lui. Oui. Non, c'est non. Voilà. C'est non ? Ah, voilà. Oui, c'est non. OK. 5 noms chez PEPS, Mme Valkenborg. Ta gueule, toi. Madame Valkenborg. Abstention. 2 abstentions. Monsieur Delcomen. C'est bon. Monsieur Sacré. J'aime favorable. OK, donc 15, 16, oui. 2 abstentions et 5 non. Sommes d'accord, Madame Manier? OK, tout va bien. Bien, nous accueillons notre chef de corps faisant fonction. Bonsoir, Monsieur Henri. Et nous attaquons donc les points concernant la zone de police, avec tout d'abord l'approbation du procès verbal du Conseil de police du 27 janvier 2021. Y a-t-il des questions sur ce procès verbal ? Pas de questions. Il peut être approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On ne m'entend plus. Ça revient. Ça va. Hey. Ça va. Je reprends. Donc, à quel moment on ne m'entendait plus ? Je recommence à zéro toute la zone de police ? Le point numéro 20. OK. Je ne sais pas. Je n'ai touché à rien. Désolé. Donc, le point numéro 20 pour la zone de police concerne la décision de l'autorité de tutelle et l'approbation du budget 2021. Monsieur Henri. Oui, merci, Monsieur le Président. En général, c'est Monsieur le Bourgmestre qui présente le point. Je ne sais pas s'il veut le faire ou s'il me laisse la parole. Je ne sais pas. Voilà, je peux le faire s'il faut des compléments d'information et surtout répondre aux questions. Monsieur Sadozo le fera évidemment. Donc, il est porté à la connaissance des membres du Conseil de police le point relatif aux informations et décisions provenant de la tutelle par un arrêté du gouverneur du 20 janvier 2021. Le gouverneur de la province de Namur a approuvé la délibération du Conseil de police du 21 décembre 2020, votant le budget 2021 de la zone de police 5308, Jeanne Sous-Sambre, pour l'exercice 2021. Pour le surplus, le courrier était joint au dossier. Des questions ? Eh bien, nous pouvons passer au point suivant. Alors, le point 21, c'est le déclassement de 7 véhicules saisis administrativement. Monsieur Collard-Bovy. La zone de police procède à la saisie de véhicules à moteur ou à deux roues dans le cadre des abandons sur la voie publique. La zone de police reçoit également des véhicules saisis administrativement par la police fédérale sur son territoire. Après 6 mois au sein de dépendance de la zone de police de Genève-sur-Sambre, ces véhicules appartiennent à la zone. Les véhicules mieux repris dans la liste en annexe sont à déclasser. Dès lors, il est demandé au conseil de police de se prononcer sur le déclassement de 7 véhicules saisis administrativement. Monsieur Henri, des précisions ?
Oui, donc la petite précision par rapport à la police fédérale, c'est quand les policiers de la route saisissent un véhicule sur le bord de l'autoroute ou dans les bretelles d'accès, ils le déposent dans les dépendances de la zone de police de la commune sur laquelle la saisie a été faite. Et donc, pour préciser un petit peu, la vente sera affichée à tout public par le biais des valves et des moyens de communication modernes de la commune ou de la zone de police. Et les offres seront déposées en sous enveloppe fermée et seront ouvertes donc par l'assistante GRH et chef de corps qui transmettra les différentes offres au sein de l'administration communale afin que la personne qui a rendu la meilleure offre puisse remporter le lot des 7 véhicules dont vous avez vu les photos en annexe, donc principalement des épaves. Puisqu'elles ne sont pas dans un très bon état quand elles arrivent et la conservation donc, en plein air ne favorise pas le maintien dans un état plus ou moins correct de ce genre de véhicule. Merci, M. Henry. Des questions ? Pas de questions. On peut se prononcer favorablement sur ce déclassement à l'unanimité. Eh bien, je vous remercie. Ici se termine donc la séance publique. Encore merci aux citoyennes et aux citoyens qui nous ont suivis et au prochain conseil du mois de mars. Merci, bonne soirée. Oui. Monsieur le Président, oui. Oui. Est-ce que je peux me permettre de faire un petit remerciement parce que le point 11 et 12 ont passé de manière relativement vite et je n'ai pas eu l'occasion de remercier la responsable de service Stéphanie Jonquière pour l'excellent travail qu'elle a apporté, je vais dire, pour le règlement du prêt matériel, ainsi que les deux ouvriers, Boris et Eric, qui s'occupent du prêt matériel au service technique, qui ont apporté aussi quelques idées et quelques avis par rapport à ce règlement. Donc, je tiens à les remercier pour cette collaboration et cet excellent travail qui a été réalisé. Merci. OK. Merci pour eux. Voilà, donc ici se termine la séance public. Je vais donc attendre le feu vert de la film équipe avant de passer à la séance à huis clos. À tout de suite.